Bonjour à tous. Nous allons commencer le laboratoire sur la réalité virtuelle mixte et augmentée. Avant de commencer les introductions, je vais vous donner quelques informations concernant ce laboratoire et notamment une petite liste des choses que vous devriez vérifier avant qu'on commence. Je vous demanderai, et puis je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises, de désactiver votre micro pour éviter les retours de son. De vous munir d'un casque si vous en avez un pour optimiser votre expérience de ce laboratoire, de poser vos questions à l'écrit puisque nous avons Renema parmi nous, une co-animatrice qui va pouvoir traiter vos questions et me faire le relais pour que je puisse les poser aux experts. Cette période de questions auront lieu à peu près 5 minutes après la fin de chaque présentation. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions quand bon vous semble via l'option clavardage. Sachez aussi que nous avons commencé l'enregistrement et puis je vous souhaite un bon laboratoire à tous. Alors, je vous ai déjà dit bienvenue. Pour certains d'entre vous, je pense que que vous connaissez la vitrine, mais je vais la présenter. Donc, nous sommes dans le premier volet du laboratoire sur les technologies immersives, dite réalité virtuelle, augmentée et mixte. Et je vais me présenter rapidement. Je suis Florence Sedaminou Muratet, conseillère pédagogique à la vitrine technologie. Et cette vitrine technologie a pour mission au Québec de conseiller les établissements sur les technologies émergentes, donc les établissements d'enseignement supérieur sur les technologies émergentes et les pratiques pédagogiques émergentes, de gérer les achats regroupés des licences Microsoft et Adobe au Québec dans le réseau collégial et de gérer le catalogue de ressources d'enseignement et d'apprentissage nommé CERES. Pour commencer, je vais vous présenter le premier expert. J'introduirai une présentation des experts au début de leur intervention. Nous allons commencer tout d'abord avec Pierre-Julien Gay. Mais avant ça, et avant de commencer avec Pierre-Julien Gay, excusez-moi, je prends des raccourcis. Nous allons commencer par voir quels sont les objectifs et les modalités de ce laboratoire. Donc, comme je l'ai partagé avec vous ultérieurement, vraiment l'objectif de ce laboratoire, ça va être d'explorer quelques innovations liées aux réalités virtuelles augmentées et mixtes, de voir à peu près ce qui se passe au Québec et ailleurs, parce que nous avons vraiment le grand honneur d'avoir invité des experts venus de France, et aussi de comprendre les enjeux de leur utilisation dans le milieu de l'éducation. Et ça, c'est ce qui va vraiment nous intéresser ici. Qu'est-ce qu'on va faire de ces technologies immersives et comment on va optimiser leur utilisation dans le milieu de l'éducation? Alors, nous avons commencé le début du laboratoire. La première présentation sera la présentation de Pierre-Julien Gay, qui a mis sur pied et dirigé la vitrine technologie éducation jusqu'en 2018. Il préside depuis 2014 à la délégation canadienne aux réunions internationales, dont les travaux portent sur le développement des normes dans le domaine des technologies de l'information pour l'enseignement, l'éducation et l'apprentissage. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle justement nous avons invité Pierre-Julien pour cette première présentation de premier volet sur les technologies immersives. Il va nous permettre de découvrir quels sont ses usages dans les technologies de l'information et quelles en sont peut-être les normes si on commence à discuter de normes au niveau des réalités virtuelles. La deuxième présentation sera la présentation d'Alexandre Trontin et de Vincent Olivier de Métier 360 qui nous viennent de France. On va pouvoir les écouter sur une manière dont ils ont développé et utilisé l'outil des réalités virtuelles dans l'orientation. Nous aurons ensuite une pause de 10 minutes à 10h15, donc ce sera vraiment 10 minutes. À 10h25, nous aurons la présentation de Nicolas
du pain du Immersive Lab. Donc la troisième présentation sera la présentation de Nicolas Dupin qui nous vient aussi de France, du Immersive Lab, et qui va nous parler justement des réalités virtuelles dans la formation. Et à la fin de ce laboratoire, nous aurons l'opportunité d'écouter aussi Eric Harvey du CIMI. Je vous ferai des introductions beaucoup plus développées au début de leur présentation. La fin du laboratoire aura lieu à 11h30. Pour ceux qui ont un peu de temps ou encore des questions à poser, je resterai à peu près une demi-heure à la fin du laboratoire pour répondre à vos questions. Je vais maintenant passer la main à Pierre-Julien Gay. Et avant de lui passer la main, je vais vous parler un peu plus de Pierre-Julien, sachant que je vous ai déjà dit qu'il justement avait mis sur pied et dirigé la vitrine jusqu'en 2018. Et la raison pour laquelle, et je me répète un peu, mais la raison pour laquelle vraiment on l'a invité, c'est pour son expertise dans les normes, les technologies de l'information pour l'enseignement, l'éducation et l'apprentissage. Je vais passer la main à Pierre-Julien. Écoutons. Pierre-Julien ? Oui, d'accord, tout le monde voit l'écran ? Entends ? Oui, je suis prêt. D'accord, oui, donc je te passe la main. D'accord. Ouais. Alors, merci Florence pour l'introduction. En fait, ce matin, je vous présente une tentative de typologie de la réalité virtuelle et augmentée à partir de deux endroits où on a fait des travaux. Le comité technique conjoint entre ISO et la Commission électrotechnique internationale a mis sur pied un groupe d'études sur la réalité augmentée et virtuelle, pas seulement dans le domaine de l'éducation, mais de façon générale. Je pense qu'il est intéressant d'avoir une perspective très large dans un premier temps. Et puis, au sein du groupe 36, qui travaille précisément sur les applications éducatives, il y a également quelques travaux qui ont été effectués. Donc, on parle de typologie et essentiellement, ce que le comité a noté, c'est une classification en fonction de la présence d'avatars ou non, donc qui nous représente dans la réalité virtuelle, soit l'apprenant, soit également aussi le tuteur ou l'enseignant. Une typologie aussi en fonction de deux types principaux d'utilisation, soit l'observation qui est plus passive et la participation. On s'est aussi penché sur quelques modes possibles d'évaluation et on terminera en examinant quelques contraintes. Alors, vous avez ici un genre de continuum de la réalité vraie jusqu'à la réalité virtuelle avec toutes sortes de déclinaisons possibles. Je vous invite à regarder dans la partie du bas, dans le fond, là, qui permet d'illustrer assez facilement les types d'utilisation. Vous avez, par exemple, la projection d'hologramme dans une réalité augmentée. Ici, c'est un bureau d'architecte. Ensuite, vous avez l'exemple de Google Maps. Ceux qui, parmi vous, sont assez chanceux pour avoir les modèles les plus récents d'Android ou iPhone ont cette possibilité là, d'avoir le traitement de la réalité virtuelle. Et dans Google Maps, en mode piéton, on peut obtenir les indications pour tourner à gauche ou à droite pour arriver à destination. Il y a différents types d'immersion aussi qui sont possibles. Il y a la série Discovery Tour de Ubisoft qui offre des expériences assez impressionnantes en Égypte et en Grèce. Et ceux qui ont eu la chance peut-être d'aller dans des arcades de jeux virtuels ont peut-être fait l'essai de cet oiseau. Donc, c'est une espèce de dispositif sur lequel on doit se coucher. On a des ailes, on a un ventilateur devant la figure qui nous projette de l'air alors qu'on vole au-dessus de New York ou de la jungle. Alors, ce sont différentes déclinaisons possibles. Maintenant, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc, pour revenir à notre typologie, on a cette dichotomie, si on veut, entre observation et participation. On se posera tout à l'heure des questions sur l'impact au niveau pédagogique d'une stratégie ou de l'autre, ou à tout le moins les attentes qu'on peut avoir en tant qu'éducateur. Ensuite, on a parlé de l'avatar. Donc, c'est la possibilité de se voir représenté dans le monde virtuel comme acteur.
Lorsqu'on est dans un mode de participation, habituellement, on doit absolument avoir un avatar sous une forme ou une autre. En ce qui concerne les capteurs, c'est des capteurs de toutes sortes, des dispositifs qu'on tient dans la main, des manettes qu'on tient dans la main et d'autres types de dispositifs, ben, ils sont optionnels, mais certainement très bienvenus au fur et à mesure qu'on progresse dans un niveau de complexité. Alors, le premier type retenu pendant le rapport, c'est l'observation de scène. Et c'est basé sur la prémisse que l'on peut apprendre par l'observation en se familiarisant avec, par exemple, un paysage ou les composantes d'un mécanisme ou d'une machine. Et on peut aussi mémoriser différents termes ou la disposition des éléments par rapport à un autre. En fait, c'est un peu la visite, la sortie de groupe de classe, mais appliquée individuellement. Les interactions dans ce type d'activité sont limitées. L'apprenant peut choisir normalement la scène qu'il désire voir et il peut modifier l'angle de vue. Et autant l'apprenant que l'enseignant se situent en dehors de la scène d'apprentissage. Alors, quelques exemples. Un dispositif ici pour visualiser le mouvement des particules chargées qui a été développé à l'Université Laval, expérimenté au Cégep Sainte-Foy, qui est en usage dans plusieurs collèges au Québec. Donc, ces particules, ce flux de particules, naturellement, est invisible, mais ici, on permet de le rendre visible et de faire des expériences. Un dispositif en France pour l'entretien des éoliennes, donc on peut voir le fonctionnement de chacune des composantes de cette éolienne. Et en fait, il y a toute la série de Google Expédition qui propose toute une panoplie d'expériences à partir de téléphones intelligents qu'on place dans des lunettes en carton. Et c'est assez intéressant parce que lorsqu'il y a un groupe classe, ben, l'enseignant continue lui à donner des explications et à interagir avec les apprenants. Le deuxième type, c'est celui de l'observation participative. Je n'ai pas trouvé vraiment d'exemple très convaincant, disons, de cette utilisation-là. Comme vous pouvez le voir dans le bas avec Second Life ou l'autre exemple, History of Information, ben, on se contente de reproduire une salle de classe. On ne peut pas dire que c'est très innovateur comme type de réalité, comme type de stratégie d'enseignement. Enfin, toujours est-il que la prémisse est que on croit que l'apprenant sera en mesure de transposer dans le réel les comportements et les compétences qu'il aura acquis lors de l'expérience virtuelle. À l'occasion, l'enseignant est aussi représenté par un avatar, mais ce n'est pas obligatoire. Et encore une fois, les deux se situent en dehors de la scène, mais ils vont manipuler ou peuvent manipuler leur avatar. Alors, un exemple qu'on a ici, c'est en soins infirmiers. Donc, il y a différents traitements, différentes lectures de paramètres qui doivent être faits pour essayer de poser un diagnostic. Mais on est en train d'observer seulement ici. On n'est pas en train d'agir dans la séquence. Contrairement au troisième, au type qu'on va voir par la suite. Alors, un troisième type, c'est celui de l'observation au moyen de capteurs. En fait, c'est pas vraiment, on n'observe pas avec les capteurs, mais il y a des capteurs qui vont influencer sur l'observation. Encore une fois, l'enseignant et l'apprenant sont en dehors de la scène, mais ils peuvent utiliser les capteurs. Et on a l'exemple de deux dispositifs ici. Je pense que c'est le type finalement de réalité ou d'application pédagogique là, qui est le plus fréquent. On a un Ah oui, simulateur de ça conduite fonctionne. automobile. J'ai lu. Et ensuite, on a le nouveau simulateur de Boeing en 8K. D'autres exemples, l'entraînement cycliste, l'entraînement militaire. Il y a un petit vidéo, là, la présentation sera disponible un peu plus tard,
Je vous invite à aller voir ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est l'entraînement de saut en parachute qui permet de faire varier toutes sortes de paramètres, là, le vent, les terrains et tout, très, très, très impressionnant et utilisé par l'armée américaine. Un autre exemple, c'est la simulation d'excavatrice ou encore le forage de puits de pétrole. Donc, dans tous ces dispositifs, l'apprenant n'est pas représenté à l'intérieur de la scène, mais c'est lui qui agit sur l'action, c'est lui qui prend des décisions et qui participe en quelque sorte, mais à partir de l'extérieur. Donc, ça influence ce qui apparaît à l'écran, ce qui est simulé. Un quatrième type, c'est celui de la participation, cette fois-ci en combinant à la fois les avatars et les capteurs. Alors, dans cette situation-là, l'enseignant et l'apprenant, normalement, se situent à l'intérieur de la scène. Encore une fois, notre stratégie pédagogique, c'est d'espérer que ce qui aura été appris, visualisé, expérimenté à l'intérieur de la scène puisse être transposé dans le réel. Alors, ceci dit, j'aimerais revoir un peu avec vous cette classification, puisque finalement, je m'aperçois qu'on n'a pas tout à fait couvert tout ce qui était possible. Alors, je vais juste essayer de faire une petite manipulation pour revenir à la façon de. Je vais vous présenter un petit questionnaire à ce stade-ci. Les écrans changent tout le temps, donc essayer de me retrouver là-dedans. Je devrais y arriver. Voilà. Voilà, je vais partager avec vous un petit questionnaire. Je vous demande d'y répondre. Dans ce cas-ci, vous n'aurez pas à répondre à la deuxième question, seulement à la première. Donc, je lance le questionnaire. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Oui, on le voit toujours Bon, vous bien. devriez avoir le questionnaire maintenant. Alors, je vous laisse une petite minute pour répondre. La question que je vous pose ici, c'est la suivante. On a ici un logiciel qui a été fait par le CCDMD, le Centre collégial de matériel, développement de matériel didactique, le réseau des cégeps au Québec. C'est un truc qui permet de simuler les chasseurs-cueilleurs, le comportement des chasseurs-cueilleurs. Et dans cette simulation qui se passe tout à fait devant un écran d'ordinateur, mais en ligne, et qui est gratuite en passant, ben vous assumez le rôle de chef de bande. Vous devez décider à quel moment les gens vont passer de la cueillette à la traite. Vous pouvez demander l'avis d'un vieillard ou tout. Alors, ma question est très simple. Est-ce qu'il s'agit d'une application de réalité virtuelle ou pas? Bon, je pense que c'est terminé. Je dois Il reste encore 3 minutes pour répondre aux questions. Oui, mais ce n'est pas nécessaire là, parce que ça va D'accord. prendre quand même beaucoup de temps, Très si bien. je permets. Bon, OK. alors je vois que on semble avoir une majorité à ni un ni l'autre, effectivement. Je vais essayer de voir si je peux partager avec vous les résultats. Alors, il y a encore une petite compilation de quelques secondes ici pour récupérer le tout. Forcément, on est plusieurs. Bon, alors, curieusement, je n'ai pas vu. Je ne peux pas partager l'exemple. Ah, voilà, ici, c'est ici, je peux partager les résultats. On le fait tout de suite. Voilà, donc 24% ont dit c'est la réalité virtuelle et 43% ont dit ni l'un ni l'autre. Effectivement, c'est une question qui m'interpelle beaucoup parce que
Dans le fond, on reproduit tout à fait un monde à l'écran. Ce qu'on n'a pas, ce sont les lunettes en 3D. Mais la question ici, c'est est-ce que vraiment on a besoin d'être plongé dans un monde avec des perceptions virtuelles pour vivre une simulation puis se trouver dans une situation virtuelle? Dans le fond, ici, on fait un peu un travail d'intelligence collective puisqu'il n'existe pas vraiment de réponse précise à cette question pour l'instant. Alors, je vais revenir à la présentation de PowerPoint. Tout le monde revoit la présentation? Oui. Oui, d'accord. Alors, deuxième cas ici, c'est le monastère des Ursulines à Québec, que je vous encourage absolument à visiter. C'est très fascinant. Et il y a des visites guidées, mais il y a aussi une visite qui est disponible en mode virtuel, dans laquelle on peut déambuler à travers les corridors et puis examiner les objets, obtenir de l'information. Alors, encore une fois, on va y aller avec un petit sondage. Voilà. Alors, la même question, est-ce qu'il s'agit d'une application de réalité virtuelle, de réalité augmentée ou ni l'un ni l'autre? Et là, la deuxième question, puis je vous invite à prendre un petit moment juste pour répondre aux deux questions avant de cliquer sur votre bouton pour faire l'envoi des réponses. On ne peut pas faire l'envoi séparé pour chacune des réponses. La deuxième question, c'est est-ce qu'on est encore dans un cadre pédagogique ou dans un cadre ludique? C'est une question ouverte ici. Donc, je vous laisse une minute pour réfléchir à ça. Donc, encore à peu près 30 secondes, là, il reste quelques réponses à recevoir. Encore quelques secondes. Alors, ce qui est vraiment la question, c'est que dans la réalité virtuelle, on est toujours dans un mode de simulation, mais la simulation à l'aide de logiciels et dans les logiciels éducatifs est utilisée depuis déjà plusieurs années. La question est-ce qu'en passant avec des dispositifs de visualisation 3D, on change de mode ou non? Alors, je ferme le sondage et on regarde les résultats. Donc, on a 65% qu'on est effectivement dans un domaine de réalité virtuelle, 6% disent ni l'autre. Et je vous invite à regarder avec la question sur est-ce qu'il s'agit d'une application pédagogique ou pas. Donc, on voit qu'il y a, semble y avoir comme deux pôles. Il y a des gens qui disent c'est plutôt ludique, d'autres qui disent oui, c'est pédagogique, ça dépend. C'est selon le cours, j'aime beaucoup cette remarque parce qu'effectivement, beaucoup dépend du contexte. En fait, quand on parle de ressources d'enseignement et d'apprentissage, on dit souvent que tout peut être une ressource d'enseignement et d'apprentissage. C'est le contexte ou l'utilisation qui est proposée par l'enseignant ou la stratégie qui est proposée par l'enseignant. Alors, comme le dit aussi un des participants, tout a le potentiel d'être pédagogique. Merci, très intéressant. Alors, je vais enregistrer ces résultats et on va à la présentation. Donc, on devrait voir, vous devriez voir l'écran suivant maintenant, c'est qui est cité mémoire. D'accord. Alors, cité mémoire, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une expérience
d'un circuit qui est proposé à travers le Vieux-Montréal. Et à l'aide du téléphone intelligent, on va se retrouver devant certaines bornes. Et à ce moment-là, on peut activer la projection d'un court extrait vidéo. Et le son vient par notre téléphone. Donc, normalement, on a des écouteurs dans notre téléphone. Ça peut être en anglais, en français, selon la configuration. Il arrive très souvent aussi qu'il y a des changements dans l'environnement immédiat. Par exemple, des lumières ou des projecteurs vont s'éteindre pour laisser place à la noirceur. Il peut y arriver que une petite ruelle se transforme en rivière. Et là, on a des témoignages de gens qui viennent nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire à cet endroit-là. Alors, c'est maintenant la troisième question que je vous pose, à savoir, est-ce qu'il s'agit de réalité virtuelle, augmentée? Est-ce que aussi, je vais juste retrouver les années précédentes. Et est-ce qu'il s'agit de... Excusez-moi, il y a des petites sonnettes qui apparaissent. Bon, voilà. Et est-ce qu'il s'agit d'une situation qui est pédagogique? Alors, je vous laisse répondre. Encore 30 secondes. Quelques personnes qui sont en grande réflexion parce que ça progresse moins rapidement vers la fin. On va y aller avec les résultats actuels. Le système est en train de compiler les résultats. Alors voilà, on a 67% de réalité augmentée, effectivement. On voit les édifices. On considère donc qu'on est vraiment dans une partie là, qui est où le virtuel est présent. Allons voir les commentaires au niveau pédagogique. Encore une fois, ça dépend du contexte. Ça dépend de l'utilisation. Et là, je pense qu'on vient de réaffirmer ensemble un élément très important. C'est la conception, la stratégie pédagogique développée par l'enseignant qui fait toute la différence. Ce n'est pas l'outil. On l'a vécu plusieurs fois à travers l'histoire de l'éducation, avec l'audiovisuel, entre autres, même avec l'Internet, en se disant, ben voilà, on introduit un outil et par magie, les gens vont apprendre. On se rend compte qu'effectivement, et vous le dites très bien, c'est d'abord et avant tout une question de stratégie pédagogique. C'est une question de médiation par l'enseignant qui est au cœur de toute l'expérience. Une dernière question. Vous voyez maintenant, je pense, un genre de parcours autoguidé, oui? Oui. Parfait. Oui, ça Alors, je vais. merci. C'est une expérience qui est proposée par Parc Canada pour le canal La Chine. Alors, c'est un parcours qu'on peut télécharger sur son téléphone intelligent, où on peut aussi emprunter un dispositif. Ça fonctionne avec des écouteurs. C'est extrêmement important parce que le son est reproduit en 3D. Donc, vous pouvez entendre des bruits tout autour de vous, y compris des bruits qui viennent de derrière.
Et lorsqu'on se promène le long du canal de la Chine, il y a beaucoup d'usines désaffectées ou même qui ont été reconverties en condos et tout. Et quand on se promène avec ce guide, qui est géolocalisé, on entend des témoignages de gens qui ont travaillé dans ces usines. On entend aussi le bruit des machines dans ces usines qui avaient là autrefois. Et à un certain moment donné, on traverse une voie de chemin de fer désaffectée. Et puis, on entend un train qui vient derrière. Je peux vous dire qu'on se tasse drôlement. Alors, c'est un type d'application qui est très différent des autres, où cette fois-ci, la réalité augmentée ne repose pas sur rien. Je viens de perdre le son de Monsieur Pierre-Julien. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. OK, désolé. Je pense que simplement, j'ai eu une petite fenêtre à l'écran, là, puis ça a dû interrompre la transmission. Bon, je passe au travers de toutes mes petites fenêtres et me voici avec la dernière question concernant le parcours sonore. Est-ce que, d'après vous, on est toujours dans un contexte de réalité virtuelle ou augmentée? Et est-ce qu'il peut s'agir, je pense que là, on aura un consensus sur l'application pédagogique quand même, mais la question que j'aimerais surtout vous poser, c'est qu'on parle toujours de réalité augmentée en fonction de dispositifs visuels. Est-ce qu'on pourrait considérer que la réalité virtuelle ou augmentée à l'aide de dispositifs qui sont uniquement sonores? Alors, peut-être commenter davantage cette question dans la question 2. Commenter davantage votre opinion sur est-ce que un dispositif sonore 3D peut être considéré comme de la réalité virtuelle ou augmentée, ou ça prend absolument le visuel, la simulation du visuel. Encore 30 secondes. Je pense que c'est très intéressant de voir comment l'exercice qu'on est en train de faire est en train de défaire ou de morceler la typologie qui était proposée. On se rend compte que la frontière entre réalité virtuelle, réalité augmentée est peut-être beaucoup plus floue que ce qu'on pensait. Alors, voyons maintenant les résultats de ce... Là, je vais fermer ça ici. Compilation des réponses. Yeah. Alors, on a 50% qui disent que c'est de la réalité augmentée. On voit, il n'y a déjà pas tout à fait le même type de consensus sur cette question, à savoir est-ce que l'audio est une façon de créer de la réalité augmentée ou non. Alors, si on regarde, il semble y avoir que c'est un certain consensus sur le fait que, oui, on est dans une situation de réalité augmentée. Et évidemment, je terminerai en vous disant, écoutez, on a vu que deux sens. On a regardé que pour deux sens, on pourrait peut-être se poser la question avec d'autres sens, comme l'odorat, par exemple. Alors, on revient à la présentation. Vous devriez voir un schéma pour la représentation des capteurs à ce moment-ci. Ça va? Donc, ça, c'est une espèce d'architecture de système pour la... Pardon? Pierre,
Pierre-Julien, on n'a pas ton écran, on n'a pas ton écran visible. Attendez. Voilà, merci. Il y est maintenant? Oui, mais on a encore le... Ouais, voilà, super. C'est bon? Oui, c'est très bien. OK. Donc, c'est un peu là, une représentation du système pour comment fonctionne la réalité virtuelle ou augmentée. Alors, les entrées de données se font respectivement à gauche et en bas. Donc, en bas, on a tous les capteurs pour la localisation spatiale et physique. Et c'est ce qu'on appelle un peu la correspondance proprioceptive, c'est-à-dire la capacité de savoir où, par exemple, qu'on se trouve face à une fenêtre et non pas face à un mur, mais en dehors de la vision comme telle, de savoir où on se situe dans l'espace. Est-ce qu'on est assis, est-ce qu'on est debout, etc. Donc, ces données sont transmises dans le monde de données des capteurs et également aussi tous les capteurs de manipulation. Souvent, on a, par exemple, des manettes ou... Et ces données sont également transmises au monde de données des capteurs et qui, à partir de tous ces éléments-là, on va créer ce qu'on appelle un monde de données spatiales. Donc, on va effectuer une correspondance, à savoir où se trouve l'individu dans la scène et qu'est-ce qu'il est en train de faire, avec quel objet est-il en train d'interagir. Cette correspondance-là nous permet ou permet finalement, au système de créer lui-même un monde en 3D, son modèle ou sa simulation, à partir duquel maintenant on va passer du côté droit, le système va procéder à la production du contenu. Donc, il va composer des scènes en fonction de différents éléments de simulation. Si avec les capteurs ou les manettes, on a touché à certains dispositifs, bon, ils vont reproduire l'effet de ces manipulations. Il va y avoir un rendu, donc qui est la transposition de toute cette information dans un visuel et l'affichage sur le périphérique d'affichage. Donc, c'est un petit peu là, comment fonctionne cette espèce de flux-là et ça va nous amener à réfléchir à quelques petits éléments sur la conception pédagogique. Du côté gauche inférieur, vous avez en orange le contenu de formation. Donc, quelles seront les expériences qu'on souhaite proposer à nos apprenants? Quelles sont les connaissances, soit qui sont nécessaires pour interagir dans ce monde virtuel, ou quelles sont les connaissances qu'on souhaite leur faire acquérir comme telles? De l'autre côté, toujours en orange, vous avez les fonctions de simulateur, donc le contrôle de simulation, les outils de gestion, il est possible. Comme on le voit très bien dans les salles de simulation en soins infirmiers, il est possible que l'enseignant agisse et ait un certain contrôle sur la simulation. Et vous avez ensuite tous les dispositifs liés à la réalité virtuelle ou augmentée. Donc, la haptique, c'est les gants qui réagissent, qui permettent de transmettre une sensation de pression. Donc, lorsqu'on touche un objet en réalité virtuelle, bien, ça permet de sentir qu'on a touché l'objet. Donc, tous ces dispositifs ou ces routines qui sont nécessaires pour reproduire. On a vu les champs d'application, ils sont très nombreux en industrie, en santé, médecine, navigation, sol, mer, air, l'entraînement militaire, le sport, les questions d'urgence ou de sécurité. Et curieusement, en loisir, je suis tombé sur ce chiffre hier, seulement 2,5, je ne vois pas très bien mon autre chiffre, là, mais je pense que c'est 2,4% des jeux sont proposés en mode virtuel, alors qu'on était sûr encore il y a 2-3 ans que ça allait être un succès extraordinaire. On s'aperçoit finalement que ça ne va pas aussi vite qu'on pensait et on peut même se poser la question, se dire que ça n'ira peut-être pas aussi vite non plus qu'on pensait. Pourquoi? Ben, à cause de toutes sortes de questions. Et par exemple, les questions d'accessibilité, l'acuité sensorielle. Pour vivre ces expériences, ben, il faut avoir une très bonne vision de la part des deux yeux ou une très bonne audition de la part des deux oreilles, ce qu'on appelle le binaural. Il faut avoir une acuité cognitive, c'est-à-dire que vous devez être en mesure au niveau psychologique et de lire l'information. Des gens qui ont des difficultés de lecture, qui doivent lire dans la simulation, ben, ils vont transposer ces difficultés dans la réalité virtuelle.
Et il y a la question extrêmement importante de ce qu'on appelle le cybermalaise qui affecte entre 20 et 25 et 40 % des utilisateurs, surtout des femmes. Pourquoi? Parce que l'espace entre les deux pupilles qu'on trouve sur les dispositifs, les fameuses lunettes, est toujours calculé pour les hommes. Et ça fait qu'effectivement, à peu près 90 % des femmes, ils ont des difficultés, doivent se concentrer pour essayer d'ajuster et de bien percevoir la situation ou la scène. Aussi, des perceptions conflictuelles. Lorsqu'on est sur un simulateur de vélo, ben, on a appris, et on sait tous en faisant du vélo, qu'on doit se pencher lorsqu'on tourne. Mais ça ne fonctionne pas dans la réalité virtuelle. Également, lorsqu'on tourne la tête rapidement, le système peine à faire le rendu de la scène ou du nouvel angle. Donc, il y a un décalage qui se fait. Tout ça va causer le cybermalaise et c'est la raison pour laquelle on propose actuellement de limiter les séances aux pauses de 15 minutes. Puis, il y a des questions d'hygiène aussi. Vous avez le petit pad ici sur la lunette, là, pas très écologique, mais bon, il y a certains qui proposent de le changer à chaque fois qu'on change d'utilisateur. Donc, ce sont des limites, je pense, extrêmement importantes. Il faut vraiment que les bénéfices de la réalité virtuelle augmentée soient drôlement importants pour qu'on fasse le pas. Et on va maintenant regarder quelques possibilités d'évaluation. C'est un travail que j'ai fait avec mon collègue du Cégep de Bois-de-Boulogne, Laurent Gosselin. Alors, ces différentes modalités d'évaluation à partir des observations ou des expériences vécues en réalité virtuelle, mais selon deux modes principaux, l'évaluation en dehors de la réalité virtuelle, puis l'évaluation dans la réalité virtuelle. Alors, dans le premier cas, l'évaluation se fait donc sans avoir le dispositif. C'est un scénario qui est comme en parallèle avec l'expérience. On va revenir sur l'expérience qui a été vécue. Et c'est l'enseignant qui va évaluer à partir des critères qu'il a préparés, il va évaluer s'il y a eu apprentissage et si l'apprentissage est suffisant ou non. On peut, dans ce cas, avoir recours à des capteurs, mais ce sont des capteurs qui ne sont pas liés à la réalité virtuelle et qui ne sont pas pertinents comme tels. Donc, on pourrait mesurer, par exemple, demander à la personne de mesurer des angles et de voir comment elle manipule les outils. Mais ce ne sont pas des outils qui sont branchés au dispositif. Pierre-Julien, oui? On arrive à la fin de ta présentation. Oui. Et puis, j'ai une question pour toi qui vient d'apparaître. On attendait d'avoir des questions. J'ai une question par rapport à Second Life. La question, c'est Second Life ne pourrait-il pas servir à faire des simulations en soins infirmiers dans un hôpital virtuel? Par exemple, l'étudiant pourrait aussi agir avec des collègues. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible? Comment tu vois ça? Je peux te répéter la question? Oui, donc ça va. Ouais. En fait, la question est surtout au niveau de la capacité du système qui est derrière Second Life de reproduire tout l'environnement et tous les comportements, les actions qui seraient nécessaires dans un contexte médical. Je ne suis pas certain que ce soit possible. Je sais que, par exemple, à l'Université de New York en médecine, ils utilisent de façon très intensive la réalité virtuelle, mais c'est beaucoup plus pour la chirurgie. Et je ne suis pas certain qu'il y ait énormément d'interaction. On ne se concentre pas tellement sur l'interaction entre les acteurs, mais plus sur l'opération comme telle. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, à mon avis, je ne pense pas que le dispositif de Second Life soit suffisamment robuste pour supporter ce type d'application. Très bien. Mais merci, merci beaucoup, Pierre-Julien, pour ton intervention. Nous allons écouter Vincent Olivier, fondateur de Métier 360, et Alexandre Trontin. Qui est chargé de mission, qui accompagne et conseille les abonnés de Métier 360 dans le déploiement de cette solution innovante. Alors,
comme je disais, comme avec Pierre-Julien, n'oubliez pas, posez vos questions. On est friands de questions. Et puis, il y a la co-animatrice Renéma qui est là pour traiter toutes ces questions et pour animer aussi les échanges. Vincent et Alexandre, je vous ai passé la main. Donc, vous allez pouvoir partager votre contenu. Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, là, c'est bon. Oui, on vous entend. Déjà pas mal. Oui. C'est formidable. Donc, on est parti. Oui. Alors, vous allez devoir parler un petit peu plus fort, comme vous êtes à deux, en fait, devant votre écran, mais on vous entend. On est concentré. Super. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation. Merci aussi à Pierre-Julien sur sa présentation, parce que permis de remettre dans l'ordre plein de choses qui n'étaient pas forcément aussi claires dans nos esprits. Donc, on a déjà appris plein de choses, donc on est déjà content pour ça. Donc, moi, je suis Vincent Olivier, donc je suis le fondateur de structure il y a maintenant une quinzaine d'années, qui a fait plein de choses sur le dialogue des mondes professionnels et des publics jeunes, en particulier en milieu scolaire. Et puis, donc, depuis 3 ans, on s'est investi dans cette nouvelle activité Métier 360. Et puis, donc, je suis accompagné d'Alexandre. Et donc l'idée est de vous faire un retour d'expérience sur une aventure que donc on mène depuis presque 4 ans, mais qui est devenue opérationnelle il y a un peu plus d'un an, et où on a donc un premier retour d'expérience. Voilà, ce que je vous propose de faire, donc nous présenter et puis partager avec vous notre retour d'expérience donc sur l'utilisation de la réalité virtuelle au profit de situations où on cherche à accompagner des jeunes dans leur réflexion d'orientation, alors que ce soit dans une logique d'accès à une formation, voire d'accès direct à un emploi. Et puis, on a prévu de vous dire aussi un petit peu comment on concevait ces expériences-là et donc quels étaient les retours qu'on pouvait les quelques enseignements qu'on en tirait après maintenant un peu plus d'un an d'utilisation. Alors, on a lancé cette activité en recherche et développement en 2017. Donc, on a vécu aussi pas mal d'évolutions. On a pris le temps de co-construire notre solution, qui donc est une solution de type 1, si j'ai bien compris la présentation précédente. Mais on a pris le temps de la co-construire avec nos utilisateurs, qui sont donc soit des personnes travaillant dans le milieu scolaire en France à différents niveaux, hein, primaire, plutôt du secondaire, c'est-à-dire collège, lycée, on va dire entre 15 et 19 ans, et puis des publics jeunes, notamment dans toutes les structures d'accompagnement vers l'emploi, qui sont les missions locales et les agences Pôle emploi. Voilà, alors ce qu'on fait avec Métier 360, c'est assez simple, on distribue, donc, je ne sais pas si vous voyez des casques de réalité virtuelle là, sur le visage, et qui permettent de vivre des expériences d'immersion dans des mondes professionnels. Et donc nous, notre approche de la réalité virtuelle, c'est la dimension immersive qui nous intéresse. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à proposer à des publics jeunes qui n'ont pas d'expérience profonde ou véritable de monde professionnel, de les aider à travailler leur représentation de monde professionnel dans le cadre d'un parcours, qui est un parcours d'accompagnement. Donc Métier 360, son objectif c'est assez simple, hein, c'est de donner à vivre des expériences en milieu professionnel aussi authentiques que possible en utilisant les capacités d'immersion de la réalité virtuelle. Alors on a donc produit un certain nombre d'expériences. Aujourd'hui il y a un peu plus de 20, je crois qu'on est pas loin de 25 modules qui sont proposés et qui sont des expériences qui permettent de découvrir 60-70 métiers différents dans des mondes aussi variés que les travaux publics, la restauration, le numérique, que sais-je. Et donc, on a constitué un grand catalogue d'expériences professionnelles qui sont disponibles au sein de notre application. Alors, le retour d'expérience qu'on a depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est que ça fonctionne. Et donc, on a constaté une vraie valeur d'usage auprès de professionnels donc qui accompagnent des jeunes dans une réflexion sur leur devenir professionnel.
Le premier apprentissage qu'on a fait assez rapidement en fin d'année dernière, c'est que l'objet qu'on avait conçu essentiellement dans une logique orientation scolaire, hein, on l'a conçu et on l'a co-construit avec des enseignants, des conseillers d'orientation, des documentalistes, des personnes naturellement référentes sur les métiers en milieu scolaire. Mais en fait, cette expérience-là, elle a trouvé une valeur d'usage auprès de l'ensemble des professionnels qui, à un moment, accompagnent des publics dans une réflexion sur leur devenir professionnel. Donc, on a aujourd'hui plus de 150 lieux différents qui sont équipés. Ça représente un peu plus d'un millier de casques. Alors, on ne sait pas exactement quel est l'usage. Enfin, on est sans doute à au moins 5 ou 10 usages par jour. Donc, mettons qu'on est à peu près entre 5 et 10 000 utilisations par jour. Donc, il y a une vraie valeur d'usage en milieu scolaire, mais aussi donc dans les structures d'accompagnement des publics jeunes, en particulier ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, donc en France, ça s'appelle les missions locales, pour les maisons de l'emploi, mais aussi l'accompagnement de publics adultes, notamment dans le cadre d'une reconversion professionnelle, alors, soit parce qu'on est chômeur et qu'on est inscrit à un institut qui gère ça, donc Pôle emploi pour la France, ou soit parce qu'on est dans une logique de formation et de requalification. Et donc, de fait, de travail sur son parcours professionnel. Donc voilà, donc ça c'est le premier retour d'usage qu'on a. C'est finalement l'objet qu'on a conçu a visiblement trouvé une valeur d'usage dans des contextes qui sont plus nombreux que ce à quoi on pensait. Et aujourd'hui, quand on essaye de regarder un peu nos premiers éléments statistiques, alors on a du mal finalement à définir le profil de nos utilisateurs parce qu'ils sont à la fois scolaire, ils sont dans les structures, on va dire, dédiées à l'insertion, à la réinsertion professionnelle des jeunes, mais aussi les structures de formation et les structures d'accompagnement pour l'emploi. Hop, ça, je vais sauter parce que je ne vais pas avoir la possibilité de diffuser. Alors, voilà le point de vue duquel on part, hein, donc une petite entreprise qui a pris le temps de développer une solution assez simple, hein, permet de s'immerger dans les mondes professionnels et puis qui a rencontré ces derniers mois plein de cas d'usage différents. Alors, on a essayé de réfléchir et je partage avec vous finalement alors une réflexion qui n'est pas universitaire et puis qui n'est pas non plus complète, mais voilà, quelques éléments sur ce qu'on a compris de la valeur ajoutée que cet outil apportait dans les situations qu'on a rencontrées. Alors, il y a une première valeur qui finalement est une valeur pédagogique, hein, c'est que tous les retours d'usage qu'on a montrent que les publics bénéficiaires de notre solution, ils ont envie. Voilà. Alors, en particulier les plus jeunes, hein, on leur montre le casque, on ne leur dit pas ce qu'il y a dedans, on ne leur dit pas quel est l'objectif de la situation qu'on va créer, mais ils ont envie d'y aller, ils ont envie d'essayer. Et donc, il y a un bénéfice d'attractivité et aussi de valorisation des publics qui l'utilisent. Alors ça, c'est vrai en particulier pour les publics qui sont le plus éloignés socialement ou économiquement ou géographiquement de l'emploi. Il y a une vraie valeur de valorisation au fait de recourir à la réalité virtuelle dans un dispositif avant même de s'en être servi. Et même chose pour celui qui s'en sert. Ben voilà, content de s'en servir, il peut prendre une posture de pédagogue innovant, ça l'aide à trouver des financements, ça anime les espaces dans lesquels il accueille son public, etc. etc. Bon, bref. Donc ça pour dire que y a une première valeur du dispositif qui est finalement de... Alors, je ne sais pas combien de temps ça durera, je pense que c'est un phénomène plutôt lié à la nouveauté de l'objet, un phénomène de mode, donc je ne pense pas que ça durera très longtemps, mais aujourd'hui, de fait, l'introduction de la forme réalité virtuelle dans un contexte crée de l'attractivité, crée de la satisfaction. Et mine de rien, sur la question de l'orientation, ça, en fait, a une vraie valeur. Parce que, alors, je ne sais pas si c'est la même chose au Québec qu'en France, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est des processus d'orientation qui sont terriblement anxiogènes. Hein. On demande à des gamins de 15-18 ans, qu'est-ce que tu veux faire demain? Quelle est ta vocation? Ils ne savent pas qui ils sont, alors quelle est leur vocation professionnelle, c'est un peu plus difficile.
qui est une forme d'injonction à savoir ce qu'on va devenir, qui est très forte, qui est très anxiogène. Hein. Et puis les parents qui rajoutent une touche en disant « mais non, c'est pas ça, c'est si, enfin bref, pas ». Et donc, mine de rien, le fait d'arriver à créer, juste par l'utilisation de cette forme nouvelle, une atmosphère un petit peu plus détendue, qui amène, embarque avec elle tout l'univers et toutes les représentations du jeu vidéo et d'approches plus, plus agréables, ça crée un contexte. Et un contexte qui est différent et qui est favorable à, au déploiement d'un parcours sur un sujet voilà, qui est un sujet souvent vécu comme, comme difficile et pas agréable et anxiogène. Voilà. Donc la première valeur, c'est juste le facteur de forme et c'est quelque chose d'attractif et qui rend attractif en fait l'espace dans lequel il s'insère. Alors, la deuxième valeur qu'on a identifiée et qui nous revient de façon de plus en plus cohérente avec les différents professionnels qui utilisent notre solution, c'est que, alors parce qu'on a fait un choix technologique qui est celui des casques autonomes, hein, c'est-à-dire c'est un objet qui se charge, qui n'a pas besoin de connexion Internet, qui a une autonomie de 4 heures à peu près, qui est très léger, hein, qu'on peut mettre dans des, je sais pas si vous voyez, mais dans des petites mallettes comme ça, et on l'emmène avec soi. Donc c'est un outil qui est très, très facile de déploiement et qui n'est pas un outil technologique. Et ça, donc ça fait partie là aussi de la valeur qui est perçue par nos différents partenaires, parce que finalement, sa portabilité et le fait qu'il soit très facile d'emploi, finalement, vient résoudre une équation qu'il est souvent difficile de résoudre autrement. Quand vous êtes avec une classe d'une trentaine d'élèves, vous pouvez, alors c'est difficile en France, on n'a pas beaucoup de sous, c'est compliqué, vous pouvez louer un bus et les emmener visiter une entreprise. Mais faisant ça, alors d'abord c'est très lourd, très long de mise en place, puis vous allez emmener 30 personnes au même endroit pour avoir la même expérience, et cette expérience n'est pas forcément adaptée à chacun d'entre eux. Ils n'ont pas tous vocation à rentrer dans l'industrie si vous visez un site industriel. Donc ça a un coût du contact qui est extrêmement élevé, et à l'inverse, on a beaucoup de mal à faire venir le monde professionnel en milieu scolaire, parce que voilà, une usine, ça ne rentre pas facilement dans un collège ou dans un lycée. Hein, et donc là, le fait que l'outil soit très facile à déployer, on peut l'emmener avec soi, permet finalement de multiplier alors des expériences qui sont extrêmement courtes, hein, mais et d'exposer une grande diversité d'élèves et donc de projets à une grande diversité de situations. Puisque dans un casque, on va avoir voilà, 70 métiers, donc 70 possibilités de découvertes différentes. Voilà, donc ça c'est la deuxième valeur qui est perçue. Avec, alors ça c'est plutôt pour les services spécifiques à l'emploi. Il y a aussi une valeur dans la mobilité, c'est-à-dire qu'on peut l'emmener avec soi sur des lieux de rencontre du public, des forums, des métiers, des forums étudiants, etc. Donc deuxième valeur du dispositif, voilà, un dispositif non technologique, perçu comme non technologique parce que facile d'emploi et permettant d'exposer facilement beaucoup de gens à des expériences aussi variées que possible. Et enfin, parce que c'est quand même l'essentiel, le bénéfice qui est perçu de cette expérience, alors qui est, pour reprendre la typologie qu'on voyait tout à l'heure de type 1, c'est une expérience d'immersion. Voilà. Donc c'est notre définition du virtuel, enfin, quel usage qu'on en fait. Je ne suis pas sous un pont en construction dans le sud de la France, et pourtant j'ai l'impression d'y être. Et ça, sur les publics jeunes, le retour qu'ils nous font, c'est « Ah, ça fait vrai, c'est plus vrai que YouTube. » Comme si YouTube était le marqueur de la réalité. C'est un peu bizarre, mais bon. Mais donc voilà, donc nous ce qu'on constate, c'est qu'il y a un effet très clair de concentration chez ces publics qui ne sont pas forcément naturellement concentrés, surtout quand ils sont en groupe. Parce que l'expérience est multisensorielle, hein. On va mettre le casque sur les yeux, on va mettre le casque audio, et puis on va être engagé dans son mouvement aussi. Et donc, on est extrêmement concentré. Et alors, ça, on commence à mesurer la différence de concentration. Hein. C'est-à-dire que quand, par exemple, on va tester
la rétention du champ sémantique qui est utilisé dans la vidéo. Ils retiennent mieux les quelques mots qu'on aura volontairement mis dans l'expérience vidéo, et ils les retiennent mieux que s'ils avaient la même expérience, mais en dehors du casque de VR. Et puis, ils ont un effet de réalité, le sentiment d'y être. Et c'est ça qui va enclencher un début de quelque chose. Hein. C'est pas l'intégralité d'un parcours, loin de là. C'est juste un petit effet déclic. Mais sur les représentations, qui souvent n'existent pas, ne sont pas préexistantes, ou sur les clichés qu'ils pouvaient avoir avant sur un univers professionnel, le fait de passer 5 minutes sur un chantier de travaux publics, par exemple, va leur permettre d'être exposés à une situation qui ne correspondra pas forcément à ce qu'ils avaient en tête avant, et donc de créer ce petit décalage que le professionnel qui les accompagne pourra ensuite exploiter, mais sans l'utilisation du casque. Voilà, donc nous aujourd'hui, les bénéfices d'usage qu'on mesure, une bonne partie sont finalement en dehors de l'expérience elle-même, hein, il y a un effet de forme. Il y a la portabilité, le fait que l'objet n'est pas technologique, et puis une fois qu'on a mis le casque sur les yeux, le sentiment d'être ailleurs sans avoir quitté la salle de classe en l'occurrence. Voilà, donc nous, notre bilan à date, mais c'est après finalement à peine un an d'expérience, donc visiblement ça apporte de la valeur parce que c'est adopté par un grand nombre d'institutions et qui l'utilisent de plus en plus. Et c'est un outil qui finalement vient enrichir des parcours de médiation déjà existants, avec des protocoles assez différents selon la nature des publics, avec des protocoles individuels, des protocoles collectifs. Mais à chaque fois, finalement, la capacité à insérer dans un travail de réflexion sur un devenir professionnel, un moment d'immersion réaliste, et qui permet de confronter ces représentations à une autre représentation virtuelle et de faire l'analyse de l'écart. Donc voilà sur les principaux retours d'expériences. Alors, pour faire ça, nous, on a conçu hein, des expériences. Alors, je vous donne juste quelques éléments de la façon dont on construit aujourd'hui une expérience d'immersion dans un monde professionnel. Hein. C'est finalement assez simple. On va parler d'un monde, voilà. Et donc, que ce soit les travaux publics, on va choisir un lieu. Parfois un ou deux, mais dans l'ensemble, on essaye d'avoir une unité de lieu. On va montrer 3-4 professionnels sur ce chantier, par exemple, ou dans une boulangerie. On va voir le boulanger, la pâtissière, l'apprenti boulanger. On va s'attacher à montrer certains des gestes qu'ils emploient. Et on va essayer aussi de montrer qu'on ne travaille jamais seul, on est toujours dans des interactions. Donc, on va essayer de montrer des situations de collaboration, en tous les cas de travail et plus. Voilà, donc nos expériences, hein, elles sont constituées de ces différents éléments, donc des lieux qu'on essaye de représenter de façon aussi attractive que possible, sans dénaturer non plus la réalité du métier. Puis on va partir à la rencontre de différents professionnels. On va les voir travailler. Hein, et donc là, on est vraiment dans la posture d'observation qu'on évoquait tout à l'heure. Avec une observation qui est quand même un petit peu différente de ce qu'on pourrait faire avec d'autres outils, parce qu'on peut être très très près du geste, de l'outil, beaucoup plus près qu'on ne le serait avec une caméra classique ou en vrai. Hein. Là par exemple, vous voyez des jeunes apprentis dans une boulangerie qui sont en train de faire des croissants, et on est très très près du... Voilà, c'est comme si on faisait un énorme zoom sur le geste. Mais comme on est en situation immersive, on va avoir un rapport très, très intimiste, voire presque de voyeur. Hein. On voit sans être vu. Et cette posture-là, elle est plus forte que d'autres formes d'observation. Hein, parce qu'on voit sans être vu et qu'on est très près de l'acte. Ça déclenche des sensations ou des représentations qui sont plus puissantes qu'avec d'autres formes de méditation. On s'attache aussi à construire des mondes professionnels avec des interactions entre les différents parties prenantes, parce que finalement, c'est même si on a un métier, ce métier il s'organise toujours dans un contexte particulier.
Voilà, et donc c'est autour de ces différents ingrédients-là qu'on produit ces expériences où vous allez voir des gens, voir des lieux et les entendre vous raconter leurs ressentis. Ça donne assez peu d'informations en réalité, mais ça donne beaucoup de sensations. L'information sera donnée après, dans d'autres formats, par les différents professionnels qui ont choisi notre solution et pour lesquels ils ont déjà en fait plein de façons de savoir comment, quel est le parcours qu'on doit suivre ensuite une fois qu'on a un peu d'appétence pour le métier de boulanger, par exemple. Voilà. Voilà. Et puis, dernière caractéristique de notre approche, c'est que sur chacun des univers professionnels qu'on présente, on le produit jamais seul, on le fait toujours en coproduction avec alors, des entreprises, des fédérations professionnelles, des territoires. Et ce qui fait que quand on présente un univers métier, on le présente après une phase de co-construction avec quelqu'un qui a une légitimité bien plus forte que nous, évidemment, sur ce territoire ou ce secteur. Ce qui nous amène évidemment à prendre des partis pris forts hein, sur la réalisation des vidéos. Et donc, par exemple, voilà, si j'évoque la production de la vidéo qu'on a faite sur les métiers de l'aéronautique chez Airbus, la présentation qu'on fait de ces métiers-là. Peut vous laisser croire que chez Airbus, il y a énormément de jeunes femmes qui sont dans des métiers industriels. Alors, c'est évidemment pas le cas, mais c'est l'intérêt et de notre partenaire et de celui qui va utiliser la vidéo d'enclencher une réflexion sur la représentation genrée des métiers. Alors, et ce travail-là, évidemment, il est à faire en dehors du système de réalité virtuelle. Voilà, donc à date, on a plein de métiers, mais ça, je vous en fais grâce. Voilà, alors juste pour terminer cette rapide présentation, là où on en est, nous, après ces quelques mois d'expérience, on a deux convictions fortes. La première, c'est que l'immersion, donc avec un format vidéo, et un mode de réalisation qui est très proche de celui d'un documentariste. Hein. L'immersion pour notre objectif, qui est celui de la découverte des métiers, nous paraît beaucoup plus forte et beaucoup plus efficace que la simulation. Alors, en particulier parce que les univers professionnels qu'on présente, hein, sur lesquels on n'a pas d'ambition de formation ou d'acquisition de compétences nouvelles, on veut juste découvrir et valider ou invalider une appétence a priori pour un monde professionnel. Ben voilà, le réel et le sentiment du réel produit un vrai bénéfice pour l'utilisateur qui est moins bien rendu par la simulation, voilà, la présence d'avatar et la manipulation. Je reprends toujours le même exemple hein, des chantiers de travaux publics. Filière sur lesquelles il y a beaucoup de tensions et il y a beaucoup de métiers qui recrutent. Pour présenter ces métiers-là à un jeune, faire semblant de manipuler une pelle, une pioche ou une brouette, ça lui apprendra pas grand-chose, ça lui donnera pas beaucoup d'indications sur ou beaucoup de sensations sur ce que cet univers métier offre pour lui. En revanche, voilà, d'être transporté sur le chantier peut lui permettre de faire évoluer ses représentations. Et puis, je termine, une dernière conviction, c'est qu'évidemment, mais ça, Julien l'a dit, et je crois que tous les pédagogues le pensent assez naturellement. Voilà. L'outil n'est qu'un outil. Il fait pas tout le travail. Et donc, l'outil qu'on a conçu, qui est très facile d'usage et de déploiement, qui génère un déclic, hein, qui dégénère une petite évolution sur des représentations, ne sert à rien s'il n'y a pas de médiation à côté. Vincent? Voilà. Oui, Vincent et Alexandre, on a. Ouais, merci beaucoup pour la présentation. On a des questions pour vous. On y va. Donc, on va se faire le relais de ces questions. Alors, j'ai expérience en 3 degrés de liberté ou 6 DDL. Alors. Est-ce que vous comprenez cette question ou... Je crois que Je je vais. comprends. Et l'expérience que nous on propose, elle n'a aucun degré de liberté. D'accord. J'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est que les expériences qu'on propose sont. Et ça, on a mis du temps, hein. On a mis presque 2 ans à trouver ce format-là, mais quand on vous emmène sur un lieu,
vous allez voir des gens, alors vous pouvez regarder à 360, hein, mais c'est nous qui vous conduisons d'un endroit à un autre et qui vous, on vous laisse des espaces pour engager par le regard votre observation, mais l'histoire qu'on vous raconte, c'est une vraie histoire et c'est nous qui l'avons construite avec une intention particulière. Hein, et donc, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de liberté de mouvement, on n'est pas un personnage qui peut se promener et explorer. On vous fait faire une visite de chantier avec, alors, sur laquelle on a beaucoup travaillé le son, beaucoup travaillé l'image, mais l'histoire qu'on vous raconte, c'est nous qui l'avons conçue. D'accord, très bien. J'espère, n'hésitez pas, si Vincent et Alexandre n'ont pas répondu pleinement à vos questions, vous pouvez toujours en poser et on se fera le relais de leur transmettre ces questions. Deuxième question, est-ce que nous pourrions utiliser les services de métier 360 au Québec? Oui, parce que ça se fait déjà dans d'autres zones francophones. Vous avez des exemples de zones francophones où vous avez déjà opéré? Oui, alors on a des clients en Belgique, en Afrique francophone, à Singapour. D'accord. Voilà. L'outil est super, mais son usage reste extrêmement modeste. Hein. C'est-à-dire que le parcours d'orientation et d'accompagnement d'un jeune, c'est un long parcours. Ce qu'on permet de faire, c'est d'insérer dans ce parcours-là quelque chose qui lui donnera envie de s'intéresser et puis qui permettra de le relancer sur certaines thématiques. Je vous donne deux exemples. Celui que j'ai déjà cité, métier de fille, métier de garçon. Bon, ben ça, c'est une problématique d'orientation qui est assez classique et sur laquelle il y a plein de façons de faire travailler des jeunes gens sur là, que vous soyez dans une usine Airbus ou dans une usine Boeing ou ailleurs, peu importe. L'important, c'est que ce soit une vidéo où on va retrouver des jeunes femmes dans des situations qui ne sont pas celles auxquelles on s'attendait. Et on va créer ce fil-là. Même chose sur, on a par exemple une superbe vidéo là sur le maître chien d'avalanche. Bon, formidable. Donc, c'est un métier très particulier parce que c'est un métier de la montagne. Mais en même temps, dans cette expérience-là, le pisteur s'interroge sur son rapport à la mort. Parce que quand il y a des avalanches, on retrouve des gens qui sont morts dessous. Qui travaillent avec un chien. Donc on peut s'interroger derrière sur le travail avec l'animal. Donc ça pour dire qu'en fait, chacune des vidéos, on l'a conçue avec une intention qui permet aussi de tirer le fil, même si ce n'est pas ce métier-là particulièrement pour lequel le jeune a vocation à se former ou à trouver un emploi. Et pour ces vidéos, est-ce qu'il y a des possibilités, bien sûr, sur votre site de pouvoir explorer ces vidéos? Oui. Donc, on peut aller sur le site et puis après, on peut aller aussi sur YouTube. On a mis des petits extraits. Et, alors, évidemment, c'est trop court pour se faire une idée complète, mais le catalogue est là et on l'enrichit tous les mois de une ou deux nouvelles vidéos. Une dernière question qu'on va faire rapidement avant la pause, qu'on va poser rapidement. Pour les casques nomades, alors c'était peut-être aussi une question dont Pierre-Julien pouvait répondre. Pour les casques nomades, est-ce que les présentateurs ont un ou des modèles en particulier qu'ils ont préférés? Donc, par exemple, dans l'usage de vos casques, est-ce que c'est toujours les mêmes modèles ou les modèles peuvent changer? Oui, alors après, les applications sont relativement portables d'un modèle à l'autre. Nous, l'usage qu'on fait étant vraiment un usage qui permet d'entrer en fait dans la réalité virtuelle avec un bénéfice qui est certes limité mais directement perceptible. Donc on a pris le matériel le plus accessible et le moins cher, c'est l'Oculus Go de 32 Go. Voilà. Il y en a 4 ou 5 sur le marché, c'est assez standard. Très bien. Merci beaucoup Vincent et Alexandre. Il y a encore des questions qui apparaissent, donc je vous ferai le relais. J'invite aussi les participants à aller sur notre site internet où il y a le contact, les contacts de Vincent, Alexandre et de Pierre-Julien et le lien vers leur site et leur chaîne YouTube pour de plus amples informations. J'ai moi-même vu une des vidéos et c'est vraiment... assez impressionnant, je trouve, comme usage. Merci. Voilà. Ben, merci à vous.
Merci aux participants. On a 10 minutes de pause, donc vous allez pouvoir vous lever, respirer, marcher un peu. Et on se retrouve à 10h25 avec Nicolas Dupin du Immersive Learning Lab. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Alors, je vais, avant de partager le document de Nicolas, je vais présenter Nicolas Dupin, qui en fait est le responsable du Immersive Learning Lab. Est-ce que Nicolas, il y aurait une traduction, vous l'appelez comme ça, Immersive Learning Lab? On l'appelle effectivement Immersive Learning Lab parce qu'on n'a pas trouvé mieux en bon français pour qualifier le domaine concerné. Donc on se résout à un anglicisme dont je ne suis pas nécessairement fier. D'accord, pas de souci. Non, mais on va l'appeler comme ça, le Immersive Learning Lab. Donc on va parler justement. Oui. Alors on va parler justement de l'apprentissage immersif et des promesses technologiques et des technologies immersives de la promesse technologique. De la promesse des technologies immersives à la réalité des usages. Donc, je vais lancer ta présentation. Juste comme tous les participants sont revenus maintenant, on va pouvoir rappeler encore, et c'est vrai qu'on est un peu peut-être tannant avec ça, mais des fois, ça coupe un peu les présentations, de rappeler, de couper les micros, vos caméras, de poser vos questions, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir échanger avec nos experts. Et ensuite, par la suite, n'oubliez surtout pas que ce laboratoire est enregistré et que dans les semaines qui vont ou les jours qui vont suivre ce laboratoire, vous aurez le contenu de ce laboratoire qui sera publié sur le site de la vitrine. Donc, je vais pouvoir partager ton document, Nicolas. Mmh. Donc, ça va être un PDF. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'agrandir et puis tu me diras quand je devrais changer les pages du document. Alors, oui, via un navigateur web, c'est pas toujours pratique. Oui, c'est ça. Désolé. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va agrandir la première diapo et puis voilà. Tout le monde, Parfait. Je pense que tout le monde voit. Donc, oui, c'est bon, tu peux y aller. Très bien, en tout cas, je suis ravi de partager ce moment avec vous. J'aurais bien évidemment préféré venir vous voir au Québec, où j'étais il y a quelques années, où je garde un excellent souvenir, mais j'espère que ce sera pour une prochaine fois. Donc, faisons ainsi aujourd'hui. En tous les cas, merci de l'attention au propos qui est le mien. Effectivement, je suis président et le fondateur de deux structures qui sont intimement liées, l'association France Immersive Learning et de son incarnation qui s'appelle l'Immersive Learning Lab. Donc, nous avons à la racine de ce projet plusieurs convictions et engagements. Et effectivement, le premier, c'est un peu notre baseline, c'est comment, grâce à ces formidables technologies, on va passer de la promesse de ces technologies à la réalité des usages en situation pédagogique. Si tu peux bien passer à la diapositive suivante. Donc, on a exclusivement trois domaines de focalisation qui sont l'orientation ou la construction des parcours professionnels, qui va aller effectivement de la présentation des métiers, des entreprises, des filières, mais aussi étirer jusqu'au recrutement et à l'accueil des collaborateurs en entreprise. En socle, tout le domaine de la formation professionnelle, mais qu'on peut assez facilement étendre à la formation tout au long de la vie. Et puis, la continuité de son activité professionnelle, qui est la collaboration au travail. Donc, notre focalisation technique, elle se situe uniquement sur les technologies immersives, c'est-à-dire la vidéo 360, qu'elle soit fixe ou qu'elle soit interactive. Ce sont deux sujets un peu différents. En tous les cas, dans la didactique à mettre en œuvre, ça l'est. Bien évidemment, la réalité virtuelle, qui est la plus connue de toutes, mais aussi la réalité augmentée, la réalité mixte, et puis les technologies qui sont en train de se démocratiser, qui ont un fort pouvoir d'immersion, que sont la photogrammétrie et la lasergrammétrie. Diapositive suivante, s'il te plaît.
La première de nos convictions, c'est que les 10-12 ans que l'on vient de vivre ont vu nos manières de communiquer, hein, de travailler, de s'informer, être profondément bouleversées par l'apparition des smartphones. Je pense que la décennie qui est devant nous va être plus profondément transformée encore, car cette fois-ci, c'est notre rapport à la réalité qui va être transformé par ces technologies immersives, parce qu'elles nous permettent non plus de nous regarder à l'écran, mais de rentrer dans l'écran, si je peux me permettre cette expression, et parce qu'ainsi, on gagne un écran supplémentaire, ce que j'appelle le troisième écran, c'est-à-dire celui de l'immersion, de la mise en situation, avec un potentiel, un champ des possibles absolument vertigineux, puisque comme on se base sur des technologies qui sont pour l'essentiel issues du jeu vidéo, potentiellement tout est à peu près possible. Donc aujourd'hui, beaucoup la réalité virtuelle, dès 2020 et dans les années suivantes, avec l'apparition des premières lunettes de réalité augmentée grand public qui commencent à arriver, notre rapport à la réalité va changer et dans des proportions importantes. Et nous pensons que ces technologies sont le vecteur d'une vraie révolution des apprentissages et d'une manière plus générale de l'apprenance, c'est-à-dire le rapport à chacun au fait de devoir apprendre tout au long de sa vie, puisque c'est ce qui se produit pour tout à chacun aujourd'hui et encore plus demain. Diapositive suivante. Pour rappeler qu'on est sur des technologies qui sont nouvelles, donc pas non plus sur des processus de compréhension de pourquoi ces technologies sont engageantes et qui sont nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est du fait du développement extrêmement rapide des smartphones, on dispose depuis 2014 et de manière commercialement accessible depuis 2016 de ces casques de nouvelle génération qui nous ont fait passer des caves qui étaient des installations qui coûtaient extrêmement cher à des casques qui aujourd'hui commencent pour des prix publics, à peine 200 $ ou 200 €, et qui continuent effectivement avec plusieurs gammes, mais qui rendent complètement accessibles ces technologies. C'est ça qui a changé. Depuis 2016, on a des casques qui sont commercialement abordables et des technologies qui rendent la production de contenu de plus en plus importante. Diapositive suivante. Comme effectivement on est sur 50 ans d'innovation, on n'est pas sur un sujet neuf. Par contre, depuis 2016, on voit une vraie accélération dans ce domaine. On le voit à travers ce graphique qui représente le nombre de dépôts de brevets dans le monde en ARVR jusqu'en 2018. Donc, vous voyez, la courbe est quand même fortement ascendante. Cette courbe, elle est fortement ascendante parce que tous les majors aujourd'hui investissent de manière extrêmement significative le domaine de ces technologies, avec des acteurs majeurs comme Facebook, par exemple, qui a racheté Oculus et qui aujourd'hui est un acteur qui bouleverse le marché, en particulier avec des approches matérielles, mais aussi logicielles. Et puis, cette accélération, elle va être d'autant plus importante qu'on a ce phénomène de cumul des technologies où, à travers toutes les offres de ressources qu'on trouve dans le cloud et puis les futurs déploiements de 5G, on va avoir des capacités d'accès à des contenus extrêmement riche, très rapidement, très facilement accessible à tout un chacun. Donc, il y a une vraie accélération. Diapositive suivante. La contrepartie de cette accélération, c'est un vrai foisonnement technologique. La diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà. Plus ça s'accélère, effectivement, plus l'offre est considérable. Donc, on a une offre de matériel qui bouge énormément depuis 2016 et qui est vraiment en train d'accélérer avec des matériels de plus en plus performants, de plus en plus légers, de plus en plus confortables. Et au-delà des matériels, on a surtout une offre de services technologiques qui devient extrêmement importante. Avec les différentes technologies que j'ai évoquées tout à l'heure, leur croisement, parce que ces technologies commencent à se chevaucher, et puis des produits sur étagère, des produits à façon, des plateformes de type logiciel auteur. En fait, d'une manière générale, pour ce qu'on va appeler les technologies immersives, se produit l'évolution qui s'est produite il y a quelques années dans le web, où on a commencé avec une difficulté et une nécessité d'une vraie compétence technologique pour pouvoir mettre en ligne un site web, alors qu'aujourd'hui, on le fait en 5 minutes avec un magnifique site en responsive design. Il se produit exactement la même chose dans ces technologies. Les contenus vont être de moins en moins onéreux à produire et sont dès à présent
possible à produire de manière autonome. Donc l'enjeu n'est très clairement pas la technologie. L'enjeu, c'est vraiment l'intention pédagogique. La technologie ne doit être, dans le domaine qui nous concerne, qu'au service de l'intention et d'une activité pédagogique. Diapositive suivante. Il est d'autant plus intéressant de s'intéresser à ces technologies, à la diapositive suivante, que les bénéfices qu'on peut en attendre commencent à être relativement posés. Et d'autant posés que les premières études insuffisantes commencent à être distribuées. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, si on veut résumer les résultats des premières recherches, mais que l'on savait, nous professionnels des technologies immersives, c'est qu'on a évidemment un taux de concentration qui est bien meilleur qu'avec des médias traditionnels, ne serait-ce que parce que si on fait de la réalité virtuelle ou de la vidéo 360, les apprenants sont coupés de la réalité à travers l'usage de ce casque de réalité virtuelle. Donc, ils sont focalisés sur la situation. Ce n'est pas suffisant pour obtenir un vrai impact pédagogique. En tout cas, c'est un préalable intéressant et qui découle même du périphérique. À partir du moment où on a un contenu de qualité, et d'autant de la nouveauté de ces technologies et des sensations qu'elles procurent aux utilisateurs, on a un engagement des apprenants qui est manifestement plus important qu'avec des activités traditionnelles, en particulier si elles sont passives. Et à partir du moment où vous avez un contenu ou un média qui est engageant et que vous êtes concentré sur la séquence pédagogique qui vous intéresse, vous avez évidemment un taux de mémorisation qui est d'autant plus important et il l'est d'autant plus qu'on connaît tous la classique pyramide de Maslow qui dit qu'on retient mieux en faisant qu'en étant passif dans une réception. On est bien là dans une démarche de pédagogie active et qui correspond en particulier à la façon d'apprendre de l'immense majorité des apprenants. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont capables d'apprendre face à des dispositifs numériques traditionnels, mais la très grande majorité des gens apprennent beaucoup mieux et surtout avec plus de plaisir en faisant l'activité et en ayant la capacité de la répéter, ce que permettent ces technologies. Diapositive suivante. Donc, au-delà de ces premiers résultats, l'intérêt de ces technologies, c'est qu'elles sont extrêmement versatiles. C'est un peu la notion de plasticité qu'on a placée au centre de ce graphique, c'est l'idée que potentiellement tout est possible, aussi bien dans le domaine des compétences techniques, ça va de soi, l'apprentissage des gestes métiers paraît évident, c'est ce que font les pilotes d'avion depuis de nombreuses années en apprenant sur simulateur, mais aussi tous les gens qui apprennent à piloter des engins de chantier, des engins agricoles, des machines avec des simulateurs de conduite qui sont bien connus. Non, on ne fait que décliner cette capacité de simulation, d'apprentissage par simulation sur des gestes métiers beaucoup plus variés, mais aussi tout ce qu'on appelle les compétences relationnelles. Je rechigne à parler des soft skills. Là, pour le coup, autant je me résous à l'immersive learning, autant la notion de soft skills me paraît être bien trop conceptuelle pour rentrer dans le sujet. Et puis, par ailleurs, la notion de compétence, elle est nécessairement située. Il n'y a pas de compétence en tant que telle. Une compétence ne trouve sa valeur que dans une activité. On peut être très compétent à vendre des Airbus et on ne le sera pas à vendre des machines agricoles. Donc, la compétence de « je sais vendre » est nécessairement liée à une activité. C'est pour ça que le concept de soft skills me paraît un petit peu vaste et mérite, ne serait-ce que si on veut évaluer les compétences en question, d'être précisé. En tous les cas, c'est très adapté pour les gestes métiers, c'est très adapté pour les compétences relationnelles. Ça l'est évidemment pour trouver des nouveaux leviers pour, et j'imagine que c'est la même chose au Canada et au Québec, les difficultés de recrutement, en particulier dans les métiers de l'industrie, mais pas que, il y a beaucoup de métiers qui ont du mal à recruter. Donc là, on a des vrais outils qui permettent de présenter les métiers, les entreprises et les filières tout à fait différemment. Ça l'est pour l'expérience collaborateur et qui devient un sujet essentiel dans la stratégie de développement des entreprises, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui se développe sans collaborateurs engagés. Et puis, très clairement, pour tous les démarches de responsabilité sociétale et environnementale, la puissance de sensibilisation de ces technologies est très forte. Et dans nos fondateurs, on en parlera tout à l'heure, il y a l'AGFIP, qui est une organisation française qui s'occupe de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et là, à nouveau, avec ces technologies, on dispose de vrais leviers potentiellement extrêmement puissants qui nous intéressent beaucoup.
Sans rentrer dans le détail du graphique dont vous avez certainement eu le temps de prendre connaissance, certains parlent de téléportation, je préfère le terme d'ubiquité. Une des forces de ces technologies, c'est de pouvoir transporter notre cerveau dans des situations dans lesquelles on ne pourrait pas se rendre, parce que ce n'est pas possible, parce que ce n'est plus possible, parce que c'est interdit. Ça permet de modifier le rapport à la collaboration au travail, on va en parler tout à l'heure, et donc là aussi, d'une certaine manière, avec les limites qui se peuvent, d'avoir un impact écologique assez intéressant dans la réduction des coûts de formation. Diapositive suivante. Donc, le vrai enjeu, c'est effectivement de pouvoir renouveler le plaisir d'apprendre et d'en transmettre. Nous avons la conviction que les technologies ont ce pouvoir du plaisir. Et quand on prend plaisir à apprendre ou à transmettre l'acquisition des compétences ou des savoirs se fait de manière tout à fait différente. Par contre, si on veut arriver à ce résultat-là, il y a pour nous deux enjeux majeurs et puis des enjeux transversaux qu'il ne faut absolument pas sous-estimer et qui sont la clé du potentiel de ces technologies. La première, c'est la qualité pédagogique. Donc, on est sur un marché qui est très émergent, on est sur une pratique qui est très émergente. Et donc, ce que nous appelons la didactique des environnements immersifs, c'est-à-dire être en capacité de concevoir des contenus de qualité. Quand je parle de contenus de qualité, ça veut dire que c'est des contenus qui, au-delà d'une expérience de formation, sont des dispositifs qui vont réellement permettre de développer des compétences. Ce qui veut dire que, à la racine même d'un cahier des charges de conception d'une expérience, d'un dispositif de formation, la première chose qu'on doit poser, c'est les objectifs pédagogiques que l'on souhaite atteindre, et ensuite de mettre la technologie au service de ces objectifs. La question de la mise en œuvre est un énorme enjeu. Comment est-ce qu'effectivement, dans la vraie vie, on va pouvoir inclure ces dispositifs dans des séquences pédagogiques qui existent aujourd'hui et qui ont leur qualité, mais qui ont aussi, on laissé un certain nombre de limites. Donc, comment on va utiliser ces technologies lors de leur mise en œuvre pour réduire les limites et améliorer l'engagement des apprenants grâce à l'utilisation de capsules immersives dans un premier temps dans des séquences pédagogiques traditionnelles. Et puis, il y a la question de déploiement. Donc là, on est vraiment au cœur du problème. Comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Les preuves de concept ont aujourd'hui tous été faites, majoritairement ont été faites. Le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on déploie massivement ces technologies au service de l'ensemble des publics et, de mon point de vue, particulièrement auprès des publics prioritaires de toutes les politiques en formation. Donc là, la question de la qualité pédagogique est un vrai enjeu pour éviter le côté déceptif que parfois on trouve dans des expériences de réalité virtuelle où on fait waouh au début et puis à la fin, quand on tire le casque, on a plutôt un bof. Bon. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, et à mon avis, il est presque d'une certaine manière, il est pour le moins aussi important que la qualité pédagogique, c'est la réalité des usages. Si vous êtes là, si vous vous intéressez tous à ces technologies, vous voyez bien qu'on utilise des périphériques qui sont un peu particuliers, qui n'ont rien à voir avec les écrans qu'on connaît tout à l'heure traditionnellement, c'est-à-dire les écrans de téléphone ou bien les écrans d'ordinateur. C'est pour ça que je parlais d'un troisième écran. Et ce troisième écran, vous le mettez directement sur les yeux. Ça veut dire qu'un formateur ou un passeur de savoir, pour être un peu plus large en approche, se retrouve face à des apprenants dont il ne perçoit plus le regard, le centre d'intérêt et dans certaines situations dont ils ne perçoivent pas ce qu'ils sont en train de regarder ou de réaliser comme activité pédagogique. Donc, on est là sur un vrai changement de pratique professionnelle et donc de posture professionnelle pour les formateurs. Et la vraie clé, elle est là. C'est comment est-ce qu'on va transformer et accompagner cette transformation des usages des passeurs de savoir pour qu'ils puissent tirer profit de ces technologies en situation pédagogique. Là, il y a un vrai travail de gestion du changement et d'accompagnement d'une transition digitale à nouveau, qui, pour le coup, est la clé. Sinon, on va acheter des matériels, on va acheter des contenus, on va faire des preuves de concept et ça va terminer au placard parce que les gens ne vont pas changer leurs habitudes parce qu'on ne leur a pas, on ne leur a pas démontré que ces technologies leur apportent une réelle plus-value dans leur pratique professionnelle et donc développent a priori le plaisir de transmettre qui doit être à la racine de leur engagement, mais aussi parce qu'on ne les aura pas sécurisés dans ce rapport différent
qu'ils vont devoir avoir à leurs apprenants et à l'organisation de leur séquence pédagogique du fait de l'utilisation de ces périphériques. Et ça, c'est valable en présentiel, mais c'est aussi valable lorsqu'on va utiliser la capacité native de ces technologies qui est de créer des vraies classes virtuelles, c'est-à-dire que les apprenants sont quelque part, le formateur est ailleurs, et tout le monde se retrouve sur ce qu'on pourrait appeler un plateau technique en réalité virtuelle qui permet de faire à peu près la même chose, voire plus de choses que ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Donc là, à nouveau, ce système de classes virtuelles impacte réellement les pratiques pédagogiques des formateurs, et c'est ça l'enjeu majeur pour passer à l'échelle. Et puis la dernière chose sur laquelle il faut intervenir, c'est bien l'aménagement des espaces d'apprentissage. Les classes bus avec l'allée au milieu et puis les rangées de sièges sur les côtés, c'est totalement incompatible avec des technologies qui sont par nature spatialisées et qui permettent l'interaction des apprenants. On ne peut pas être assis sur une chaise fixe comme on les a aujourd'hui. Donc il faut repenser les lieux d'apprentissage. Et puis, si on veut faire ça de manière professionnelle, ce qui est notre souhait, il y a une nécessité, effectivement, à, évidemment, sur une veille technologique et une veille des usages, mais surtout à procéder de manière rigoureuse sur la mesure d'impact, tant pour les apprenants que sur les médiateurs et les formateurs, l'impact de ces technologies, en menant des évaluations et puis des travaux de recherche. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas aujourd'hui, parce qu'on est sur des usages qui sont très émergents, donc il y a une vraie nécessité à s'appuyer sur des travaux de recherche pour pouvoir stabiliser effectivement les promesses, les bénéfices que l'on constate et à pouvoir avoir comme objectif de massifier les usages de technologies en ayant une démarche qui soit professionnelle, sécurisée et efficace pour tout le monde. Voilà notre avis, quels sont les vrais enjeux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, pour toutes les organisations qui s'intéressent à ces technologies, que ce soit des entreprises dans leurs activités de formation interne, ou que ce soit des organismes de formation initiaux ou tout au long de la vie ou professionnelle, l'enjeu est de savoir par où on prend ce problème, puisqu'on est sur un sujet qui est tout à fait nouveau, aussi bien en technologie qu'en pédagogie, pour la grande majorité des acteurs. Diapositive suivante. Donc, si on veut effectivement réussir l'insertion et le déploiement des technologies immersives en situation pédagogique, il y a un ensemble d'étapes qu'il nous paraît nécessaire de connaître pour pouvoir les anticiper et donc être en capacité de prendre des bonnes décisions au bon moment et faire en sorte que l'intention pédagogique était à la racine de l'acquisition de matériel et de contenu se transforme effectivement en véritables objectifs. Au-delà de la transformation des espaces d'apprentissage, qui sont un peu les trois illustrations que je vous propose à droite, où vous voyez effectivement des classes très traditionnelles en haut, et puis ce qu'est aujourd'hui un espace dédié à l'immersive learning, c'est-à-dire quasiment un espace vide, le mobilier nous gêne. Au-delà de cet élément, il y a vraiment effectivement tout un travail et donc d'une certaine manière une stratégie à mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs d'impact sur les apprenants et de massification des usages qui devraient être ceux des organisations qui se saisissent du sujet. Diapositive suivante. Donc, pour faire ça, il nous a semblé nécessaire de créer un espace. La vraie difficulté, mais en même temps la force de ces technologies, c'est qu'on n'en mesure pas l'impact et le potentiel tant qu'on n'a pas mis un casque. Et aujourd'hui, en France, je ne sais pas comment c'est dans de votre belle contrée, mais il y a, mis à part les salons professionnels, où vous pouvez, dans des conditions qui sont celles des salons, essayer des matériels et essayer des contenus, il n'y a pas vraiment de lieu où on puisse s'acculturer sur le sujet de l'immersive learning. Quel matériel, quel contenu, quelle qualité, quelle perspective. Donc on a créé ce lieu qui est pensé pour l'immersive learning et puis surtout qui est animé par une équipe de spécialistes dont la vocation est de structurer ce qu'on appelle de l'immersive learning engineering, c'est-à-dire la méthodologie de conception, de mise en œuvre et de déploiement de ces technologies en situation pédagogique. Donc on présente bientôt à peu près tous les matériels qui sont disponibles sur le marché. On a une très grande variété d'expériences
que l'on obtient en nouant des partenariats avec les entreprises qui ont les produits. Et puis, on a aussi, c'est un peu l'image que vous avez à droite, on a aussi une activité qu'on nous on appelle de R&D d'usage, c'est-à-dire comment est-ce que l'on fait pour que les passeurs de savoir, les pédagogues, aient le maximum de confort à utiliser ces technologies en situation pédagogique. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est ce que nous on appelle de la réalité, de la virtualité augmentée, c'est-à-dire qu'on remplace le retour casque d'un système de réalité virtuelle sur PC par un troisième point de vue qui permet non pas d'avoir une vision étroite et toujours mouvante de ce que fait l'apprenant ou de ce que fait le formateur lorsqu'il présente les consignes, mais d'avoir un troisième point de vue fixe qui permet d'avoir une appréhension beaucoup plus large de l'environnement de la simulation et donc pour le formateur d'être en capacité de présenter les consignes à ses apprenants ou bien l'inverse, si c'est un apprenant qui est en simulation, de pouvoir permettre au formateur d'avoir une appréhension contextualisée de ce que fait l'apprenant et de pouvoir lui apporter les meilleures consignes, les meilleurs conseils possibles. Autre activité de R&D d'usage qu'on fait, on est en train de passer en industrialisation, une application qui permet de piloter des sessions pédagogiques utilisant les casques autonomes. Donc, les casques autonomes, c'est des casques qui sont sans fil et qui ne nécessitent pas d'ordinateur, mais qui aujourd'hui ont l'immense limite de ne pas proposer de retour écran multiple. On a un retour écran pour les Oculus Go, les Quest par exemple. On peut avoir le retour écran d'un casque, mais certainement pas de 12 ni de 15. Et ça rend impossible l'utilisation en situation pédagogique de ces casques-là, parce que le formateur se retrouve avec 12 personnes qui ont un casque et il ne voit pas où en sont les personnes, ni ce qu'elles font, et ni où elles se sont égarées en appuyant sur le mauvais bouton ou ce genre de choses. Donc là, on a développé un prototype qui permet d'avoir le retour écran de tous les casques qui sont en session et de permettre aux formateurs le meilleur accompagnement possible individuel de chacun des apprenants. Et puis par ailleurs, cette application permet de déclencher les applications qui sont dans le casque pour que tout le monde ait la même expérience au même moment, c'est-à-dire que le formateur puisse organiser une séquence pédagogique utilisant ces dispositifs. Donc, voilà tout ce qu'on fait dans ce qu'on appelle le lab, c'est-à-dire qu'on défriche les conditions d'usage appropriées oui, tout à fait. On défriche les conditions d'usage en situation pédagogique. Au-delà de cette activité, on a effectivement une offre de service qui va se trouver sur les deux diapositives juste après. Celle-là, on peut la passer, voilà. Donc, l'essentiel de notre activité, c'est plusieurs choses. Je vais vous parler après de notre structure juridique, mais on n'est pas vraiment une entreprise. Notre modèle économique repose sur d'autres ressorts qu'une activité proprement de commercialisation. Et je vais vous expliquer pourquoi. En tous les cas, à ce jour, on a donc des dispositifs de formation qui correspondent aux besoins des acteurs de marché. Donc, on est bien d'abord sur de l'acculturation et puis des premiers usages. On est en train de préparer pour début janvier un dispositif qui, à défaut d'être certifiant ou qualifiant, se verra délivrer un badge de compétence. Donc, c'est ce système des open badges qui ont été initiés par la Fondation Mozilla et qui permettent de reconnaître des compétences qui sont émergentes. Et ce dispositif de formation va être sur la professionnalisation des médiateurs et des personnes qui utilisent la réalité virtuelle en situation de salon, en situation pédagogique. On va se mêler des questions à domicile, mais en tous les cas, on est bien sur des technologies qui sont physiquement, sensationnellement, au terme de sensation, cognitivement impactante pour les apprenants. Et il y a aujourd'hui des variétés de réactions des individus qu'on a du mal à anticiper. Donc, il y a une vraie nécessité à fournir pour des primo-utilisateurs de ces technologies un cadre d'hygiène et de sécurité minimum pour faire en sorte que tout le monde ait une expérience de qualité. On ne peut pas d'un côté dire beaucoup de gens sont malades à cause de la réalité virtuelle, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Ils sont malades quand l'expérience est mal conçue. Mais il y a des gens qui, effectivement, ont le mal des transports du fait de l'immersion et de la désynchronisation du système proprioceptif et de ce qu'ils voient dans le casque. Mais voilà, il y a aujourd'hui des réactions très diverses. Il y a une nécessité à fournir, avant même de mettre le casque, un environnement qui permette de garantir à tout à chacun, et quelle que soit son appréhension des technologies immersives, un cadre adapté. Donc, on est en train de monter une formation à la médiation, à la professionnalisation de la médiation, et on délivrera un badge de compétences. On fait aussi, évidemment… Paula,
Oui. Nicolas, oui, je vais te laisser finir ta phrase. C'est juste pour te dire qu'il y a des questions qui sont à poser, puis on a pris un peu de retard. Puis je pense que D'accord. ce serait intéressant que tu puisses répondre à ces questions. Je te laisse Tout à fait. finir, Oui, j'en ai clôturer. terminé. On peut passer là, on peut accélérer parce que je suis un peu bavard. Donc, Non, mais on on aime peut ça, on entrer aime ça. On veut apprendre. Alors, la première question, c'est comment envisagez-vous l'intelligence artificielle et les biosenseurs combinés aux technologies immersives dans un contexte éducatif? Wow. Waouh! C'est la question. Alors, c'est effectivement deux sujets un peu différents et deux sujets qui sont assez liés et qui, pour le coup, vont renvoyer à, tout à l'heure, je parlais de nécessaire recherche, à un vrai sujet de recherche qui est la protection et la confidentialité des données utilisateurs. Plus on va commencer à utiliser des biosenseurs, enfin des systèmes qui sont en capacité de capter nos émotions, nos tensions cardiaques et je ne sais quel autre dispositif relativement personnel, plus on va avoir des vraies questions juridiques qui vont se poser. Ça peut être à peu près la même chose avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est un peu pour les nécessaires précautions à prendre sur ce sujet-là. De l'autre côté, le potentiel est extrêmement intéressant parce que autant aujourd'hui, on arrive à faire des simulations qui, si elles sont correctement didactisées, permettent de guider l'apprenant dans l'apprentissage d'une procédure, que ce soit pour des gestes métiers ou des études professionnelles. Autant on a encore du mal à faire ce que savent faire les éditeurs de jeux vidéo, en particulier ceux qui font des 3, donc les très gros jeux, c'est-à-dire à concevoir des simulations qui sont adaptatives au niveau de chacun des apprenants et qui permettent de le challenger au meilleur de ses aptitudes, quelle que soit la thématique. Et là, effectivement, d'avoir des biosenseurs hein, qui permettent de repérer un certain nombre de choses, en particulier les systèmes de tracking visuel qui vont permettre d'adapter, au-delà de la définition de l'image, d'adapter l'environnement à ce qui est regardé par la personne, et puis surtout l'intelligence artificielle qui va permettre de dynamiser des scénarios. Là, on a un vrai potentiel pour arriver à quelque chose qui soit très individualisé et en même temps très très mobilisateur pour le meilleur. Ne nous emballons pas non plus, et quand même, il y a des vrais enjeux de protection des données dont on connaît l'ampleur pour les dispositifs numériques qui sont les nôtres aujourd'hui et dont on ne prend pas encore complètement la mesure pour ceux qui arrivent avec ces technologies. Ok, très bien. J'ai une autre question concernant un cégep anglophone qui demande est-ce qu'il pourrait bénéficier des logiciels ou des expériences, sachant qu'ils sont un cégep anglophone. Est-ce que vous proposez des choses en d'autres langues ou... Alors, le fait d'être anglophone dans le domaine de la réalité virtuelle, c'est plutôt un avantage. Il y a beaucoup plus de contenu anglophone que de contenu francophone. Ça, c'est un premier constat. Il y a des tas de fois où je me disais quel dommage que ce contenu formidable ne soit pas traduit en français, ce qui nous empêche un peu de l'utiliser, sauf en cours d'apprentissage de l'anglais comme support pédagogique. Après, nous ne sommes pas producteurs de contenu. Nous, on est le propos de ce qu'on définit comme un pôle de compétences, c'est l'usage. Donc, les contenus, ils sont produits par nos partenaires entreprises. Français, mais on travaille aussi avec des Finlandais, avec des Danois, avec des Américains, avec des Anglais et des Irlandais, qui nous mettent à disposition des contenus. Et ensuite, la contrepartie de cette mise à disposition, c'est qu'on n'utilise pas ces contenus pour une activité commerciale. Si on me prête un contenu de simulation au premier secours, je ne vais pas faire de formation au premier secours en réalité virtuelle. Je vais utiliser ce contenu pour présenter un contenu possible et une utilisation possible des technologies immersives sur ce domaine de compétences-là. Donc nous ne produisons pas des contenus. On produit éventuellement des preuves de concept quand on a une idée, ou que des partenaires ingénieurs pédagogiques ou pédagogues ont une idée, mais voilà, on peut faire un proto, histoire de valider l'idée, mais on n'est pas développeur. Ça, c'est le travail des entreprises avec lesquelles on travaille. Et le travail qu'on fait avec elles, c'est les tirer vers le haut sur la qualité pédagogique de ce qu'elles produisent en leur apportant notre expertise. Donc, pour répondre plus directement à la question, il y a aujourd'hui effectivement une nécessité à agréger, un peu comme on le faisait au début du web. Je ne sais pas quel est. J'imagine qu'il y a dans les auditeurs des gens qui doivent à peu près à mon âge. Et donc, avant que les moteurs de recherche apparaissent et avant Google, on avait affaire à des annuaires qui répertoriaient les sites web et qui nous proposaient des listes.
Aujourd'hui, il est faux de croire qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, et en particulier anglophone, et l'enjeu, il est bien de pouvoir indexer tous ces contenus pour pouvoir les proposer aux utilisateurs en fonction de leur thématique d'intérêt. Donc ça fait partie de notre roadmap de 2020, puisqu'on est une organisation jeune, hein, on a commencé en mars l'année dernière. On a ce besoin-là en France. Il commence à exister des annuaires qui apparaissent à droite et à gauche, mais qui ne sont pas soutenus par des communautés qui ne se développent pas assez vite. En tous les cas, voilà, on sera ravis de proposer à nos partenaires français et anglophones le travail qu'on espère bien pouvoir sortir dans le semestre qui vient, d'avoir un début de vitrine des contenus disponibles, avec autant que faire se peut une évaluation de la qualité pédagogique de ces contenus. D'accord, Nicolas, il y a quelques questions encore, mais dont je te ferai part, et puis je transmettrai sur le site les réponses. On va devoir passer au dernier expert. On en apprend beaucoup, puis on aurait voulu continuer encore avec vous, avec les experts, mais je vais passer donc au suivant. Merci encore, Nicolas, avec pour grand plaisir. Cette présentation. Pour cette dernière présentation, notre dernier expert, Eric Harvey, nous vient du CIMI, qui est le CCTT situé au Cégep de Sainte-Foy. Eric est le directeur de l'imagerie appliquée et il va nous parler des projets du CIMI en réalité virtuelle, augmentée et mixte. Est-ce que tu es là, Eric? Oui, je suis là. D'accord, très bien. Encore merci Eric de ta présence et puis de partager avec nous vos expériences et puis ce que vous proposez. Je te passe la main. D'accord. Est-ce que tu... Normalement, oui, voilà. Ça sent bien. Alors, j'en profite juste, Eric, juste avant que tu commences, pour rappeler aux participants que à la fin de la présentation, il y aura une petite phrase de synthèse et puis je leur donnerai les informations sur comment justement pouvoir avoir accès à cette présentation qui est enregistrée. Voilà, tu peux commencer, Eric. D'accord, merci beaucoup, Florence. Donc, bonjour à tous. Merci à Florence au nom du CIMI de nous permettre de présenter les activités du CIMI, surtout les activités qui ont trait à la réalité mixte. Moi, je suis, comme tu l'as dit, bon, directeur de l'imagerie appliquée. Je suis au CIMI depuis 2010, donc ça fait à peu près depuis cette époque qu'on a commencé à travailler avec dans le domaine de la réalité augmentée, réalité virtuelle, que je vais appeler la RARV. Donc, au CIMI, c'est quand même, on est un centre collégial de transfert de technologies. Donc, un peu pour présenter qui nous sommes. Donc CIMI, donc Centre en imagerie numérique, médias interactifs. On est affilié au Cégep de Sainte-Foy et puis on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau des CCTT, le réseau Synchronex, donc un ensemble de centres qui sont situés partout au Québec et chacun dans sa spécialité. La mission de chaque CCTT est d'offrir des services de recherche appliquée. Et donc, récemment aussi, on a été nommé un centre d'accès à la technologie là, au niveau canadien. Donc, on ne fait pas simplement desservir le Québec, mais on dessert aussi l'ensemble du pays. Donc, ma présentation va peut-être un peu ressembler. Bon, il y a certains points qui vont ressembler à mes prédécesseurs là, qui ont présenté certaines techno, certains concepts, donc il y a des choses qui vont peut-être se répéter. Donc, voilà, donc un peu pour décrire nos activités ici au CIMI, donc on a nos champs d'expertise, donc on fait de l'imagerie médicale,
Donc, surtout de traitement d'image rayon X, on fait de la vision numérique, 3D et géomatique, donc tout ce qui est traitement de points 3D pour ces applications. Et évidemment, on a un gros secteur qui est la réalité mixte, là, donc qui concerne toutes les applications réalité virtuelle, réalité augmentée. Et aussi, on a une activité de médias interactifs qui est tout des développements d'applications web et mobiles en support à nos projets de recherche. Donc, un peu pour situer la réalité mixte, parce que les autres intervenants ont fait un peu, bon, la réalité virtuelle augmentée, c'est pas nouveau. Donc, déjà en 68, des chercheurs ont mis au point un casque là, qui permettait d'afficher des images et de créer l'expérience de ce qu'on appelle la réalité mixte. Donc, pour situer un peu, en fait, c'est quoi la réalité mixte? Donc, si on parle d'un continuum ici, de réalité et virtualité. Donc, d'un bout du spectre, tu as le réel, et l'autre bout du spectre, tu as le virtuel. Donc, tout ce qui est entre les deux, c'est ce qu'on appelle la réalité mixte. Donc, en partant de la réalité augmentée, en passant par la virtualité augmentée, et finalement en terminant dans un environnement complètement virtuel. Donc, c'est un peu la définition qu'on peut donner en général du domaine qui est vraiment un continuum de réalité mixte. Bon, je vais peut-être expliquer un peu plus en termes de technologie. Donc, nous, on développe sur plusieurs plateformes. Donc, on peut développer autant de la réalité mixte, bon, sur PC, évidemment, qui est la plateforme pour l'instant qui offre les meilleures performances en termes de capacité de calcul, de capacité d'affichage. On travaille aussi bon, avec les mobiles, donc on peut faire de la réalité augmentée sur tablette, téléphone. Et aussi, bon, un peu plus récemment, les nouveaux appareillages d'affichage, qui est tout ce qui est les casques de réalité virtuelle qui sont maintenant sur le marché, et les casques ou les lunettes de réalité augmentée. Tout ça, en fait, s'inscrit là, dans la tendance actuelle d'offrir des technologies de plus en plus performantes et de plus en plus accessibles. Aussi, pour utiliser ces technologies, ben, on a besoin aussi de positionnement par rapport à l'environnement. Donc, on utilise par exemple en réalité augmentée de ce qu'on appelle des marqueurs qui sont des espèces de repères, des images qui permettent à une application ou un appareil de réalité augmentée ou virtuelle de se repérer dans son environnement. Donc, de pouvoir finalement mettre les images en correspondance avec une scène réelle. Donc, on utilise soit des marqueurs ou on utilise également ce qu'on appelle des points naturels. Donc, on peut reconnaître des points caractéristiques dans une scène. Et on utilise ces points pour se référencer, en fait, si on veut, dans la scène. On a développé OSIMI, en fait, c'est un service, c'est ce qu'on appelle le Lab Media 3D. Donc, le Lab Media sert essentiellement d'offre de plateforme technologique en 3D. Donc, nous avons une panoplie là, de casques de réalité virtuelle qui sont disponibles, qu'on utilise et qui sont disponibles par exemple pour des clients, pour des entreprises, pour des centres de recherche. Également, on offre des lunettes de réalité augmentée qui est l'HoloLens. Bon, on attend évidemment l'arrivée de la prochaine génération de HoloLens, qui est l'HoloLens 2, qui va offrir des performances nettement meilleures que la première. Également, on offre des appareillages de scan 3D, par exemple, pour numériser des objets pour des applications. Et aussi, on offre une caméra 3D 360 qui permet aussi
d'amener de créer, si vous voulez, des environnements immersifs vidéo. Donc, à partir de maintenant, je vais un peu vous présenter plus des applications qu'on a réalisées avec soit des entreprises ou soit des organismes. Donc, ça, c'est une application qui a été montrée là, avec le premier intervenant là, qui montrait une application de réalité augmentée. J'ai essayé de voir si la vidéo fonctionne. Donc, voilà. Donc, c'est une application en éducation donc, qui a été développée en collaboration avec l'Université Laval et le Cégep de Sainte-Foy. Puis nous, le CIMI, on était en charge de faire l'intégration de cette application. Donc, on voit ici que cette application de réalité augmentée s'applique à un cours d'électromagnétisme. Donc, l'application permet, par exemple, de simuler des environnements, un environnement de où il y a un jet de particules qui est dans un volume, et puis l'étudiant peut varier les champs électriques et magnétiques. Donc, ça permet d'avoir un apprentissage ludique d'une matière qui est très, 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 très abstraite. Donc, cette application est intéressante pour justement aider à l'apprentissage en classe. Et puis, cette application-là est présentement en utilisation là, par un professeur au Cégep de Sainte-Foy. Une autre application intéressante, c'est en muséologie. Donc, on a développé dans le cadre d'une commémoration, c'est un client avait fait le scan avec un imageur sonore de l'épave de l'Empress of Ireland, qui est au large de Rimouski. Et puis, on nous avait demandé comment on pouvait valoriser ces données 3D. Donc, on a créé une application augmentée qui permet finalement de visualiser les données actuelles de l'épave, qui sont en 3D, et de mettre en correspondance un modèle, si vous voulez, une maquette virtuelle du navire. Donc, c'est encore une fois, c'est une application qui est ludique, donc qui permet pour un musée de présenter des applications en réalité augmentée. Une autre application, ici, c'est plus dans le domaine du marketing et vente. Donc, c'est un client, lui, qui vend des cellules robotisées. Et lui, ce qu'il voulait, c'était de présenter son produit à des clients potentiels. Donc, avec une HoloLens, lunette de réalité augmentée, donc ça permet de montrer à l'échelle réelle une cellule robotisée en usine, dans une usine, par exemple, et de montrer les différents outils qui sont potentiellement utilisables là, par le robot. Donc, on peut changer les interfaces mécaniques. On peut également interagir directement avec le bras de robot. Donc, ça, c'est une application qui permet de faire de la vente de produits. Une autre application, vente et marketing. Donc, on utilise la 360, par exemple. Le client veut montrer à ses clients ici, c'est une cellule de test de moteur d'avion. Donc, eux, ils conçoivent ces cellules-là pour leurs clients. Donc, ça permet finalement de se promener et de naviguer, si vous voulez, dans la salle, puis montrer un peu l'appareillage qui est disponible. Et puis, on peut un peu à la manière de Street View, de se promener à travers le bâtiment et de voir en 360 et 3D quel est l'environnement de test de ces cellules d'essai. Donc ça, l'environnement, en fait, donc au lieu d'être purement virtuel, bien, on est plus dans l'immersion 360 avec des vidéos. Une autre application pour l'événementiel. Donc, ça, c'est un client qui, lui, lors de salons, par exemple, ici, dans l'exemple, c'est un salon des vins et spiritueux. Donc, avec l'HoloLens,
une personne voit, vit une expérience en fait, c'est des présentations de produits de vin. Donc, ça permet finalement de visualiser de l'information, de projeter de l'information sur des producteurs, sur des produits, pendant que tu te promènes dans le salon. Donc, on peut projeter des informations, des bannières. Donc, la réalité augmentée permet vraiment d'ajouter à l'expérience dans un salon. Ici, on a créé une expérience dans le domaine du ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc, ce qu'on voit ici, je vais arrêter la vidéo, ce qu'on voit ici, c'est une collaboration, une communication entre une plateforme de réalité augmentée et une plateforme de réalité virtuelle. C'est-à-dire que la personne qui porte un casque, par exemple HoloLens, va voir ce que la personne en réalité virtuelle voit également. Donc, il va voir les pièces, il va voir les objets se promener. Donc, ici, la personne manipule, par exemple, ici, c'est l'exemple, c'est le montage d'un moteur d'avion. Donc, la personne en réalité virtuelle prend les pièces, les met ensemble. Et la personne en réalité virtuelle voit également ce que on peut dire l'apprenant. Donc, c'est une relation enseignant-apprenant où les deux communiquent virtuellement ensemble. Une autre application aussi pour la formation, un client qui, lui, fait de la formation pour les extinctions d'incendie en milieu industriel. Donc, avec un casque de réalité virtuelle, ben, ça permet finalement de simuler l'extinction en utilisant un vrai extincteur, mais couplé avec une manette. Donc, cette manette permet finalement de simuler le jet pour éteindre un feu. Donc, ça, c'est une application de réalité virtuelle. Une autre aussi qui est plus dans le domaine de la simulation, si vous voulez. Donc, on a quelqu'un qui voulait faire de la simulation de déficience visuelle, c'est-à-dire de montrer dans un environnement, montrer à d'autres personnes comment une personne avec une déficience voit une scène. Donc, en réalité virtuelle, on présente des environnements et puis on est capable de simuler certaines dégénérescences, par exemple, dégénérescences maculaires, des choses comme ça. Donc, de montrer qu'est-ce que les personnes voient dans un environnement particulier. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur, en virtuel. Une autre en sécurité maritime. Donc, ici, on développe un simulateur maritime qui permet de montrer finalement, la navigation. Ici, on est sur le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Montréal. Donc, tous les éléments ont été simulés à partir de bases de données 3D. Et puis, ça permet soit la formation de pilotes du Saint-Laurent de se familiariser avec l'environnement d'un navire. Aussi, on peut simuler, par exemple, des accidents maritimes avec ce genre d'outils. Ça peut être très utile. Ici, un projet qu'on débute dans une application de mise en valeur du patrimoine. Ici, c'est en fait le projet débute, mais je voulais quand même partager avec vous le concept. Donc, le concept, c'est dans le cadre de la production d'un livre. Donc, ce livre-là va être associé avec une application en réalité virtuelle où tu vas pouvoir te plonger dans l'environnement d'un quartier. Ici, c'est le quartier de Limoilou. Et puis, on va pouvoir avoir accès à des portes, ce qu'on appelle des portes temporelles. Donc, les gens vont pouvoir rentrer dans ces portes et se transporter à une époque donnée du quartier. Donc, ça va permettre finalement d'explorer puis de voir un peu c'est quoi l'histoire de ce quartier. Mais la particularité, c'est qu'on veut présenter aussi des images 3D qui ressemblent un peu à une bande dessinée. Donc, un peu un mode hybride là, entre le réel et la bande dessinée.
Donc ça va être utilisable avec un casque de réalité virtuelle. En finissant, je voulais un peu vous, si jamais il y a des, la réalité augmentée, la réalité virtuelle vous intéresse, nous, on a une conférence qui va avoir lieu au mois d'avril. Donc, on est à notre 4e édition. Ça, c'est dans le cadre de la semaine numérique. Donc, ça se passe le 20 avril, où on va présenter des conférenciers sur le domaine de la RARV. Et aussi, on va avoir une zone démo où des entreprises vont venir présenter des produits reliés au domaine de la RARV. Donc, une invitation à tous, toutes et à tous qui sont intéressés par ce domaine particulier. Très bien, merci. Voilà. On a des questions, Eric, pour toi. La première, c'est comment accède-t-on? Alors, c'était comment accède-t-on à cette application? Mais je pense que c'est une question, en fait, qui est en lien directement avec une application que tu avais présentée auparavant, qui doit être, je pense... On va faire général. Comment on accède à ce type d'application? Est-ce que tu peux... je pense que c'est Julien qui nous a posé cette question. Celle sur l'électromagnétisme. OK. Comment on peut obtenir cette application? Alors, je pense que c'est ça. C'est comment... Alors, on va répondre aux deux, peut-être. Ouais. Julien, oui, c'est ça. Julien nous dit oui. OK, oui, ben en fait, c'est que pour l'instant, on est en train de créer un site web qui va faire en sorte d'annoncer cette application-là, puis qui va pouvoir permettre de la télécharger. Mais l'application est disponible sur le App Store. Et puis simplement m'envoyer un courriel. Peut-être que je pourrais mettre mon courriel sur les... Oui, il est déjà sur le site de la vitrine avec les détails. Oui. Okay. Donc, m'envoyer un courriel, puis je pourrais envoyer le lien ou aller chercher l'application. Et puis, comment avoir aussi les... Ça prend des marqueurs là, pour pouvoir l'utiliser. D'accord. Très bien. J'ai plusieurs questions. La deuxième question, c'est est-ce que les conseillers pédagogiques qui proviennent d'autres cégeps que celui de Sainte-Foy peuvent avoir accès à vos ressources, conseils ou soutien? Et si oui, comment procéder? Oui, tout à fait. Nous, on peut travailler avec tous les intervenants. Donc simplement, encore une fois, communiquer avec moi. Puis, en fait, l'idée, c'est l'idée, c'est d'échanger sur quel projet, comment nous, on peut aider, soit en allant chercher des subventions. Quand c'est des entreprises, bien évidemment qu'on est capable d'aller chercher des subventions. Quand c'est des organismes, là, on peut travailler ensemble là, pour essayer de voir comment on peut définir un projet ensemble. Alors, la troisième question, c'est proposez-vous une démarche pédagogique ou des interfaces pour l'apprentissage des langues sur objectifs spécifiques? Et notre collègue pense aux langues secondes en milieu hospitalier, par exemple. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà explorées, vues ou... Pas pour le moment. On n'a pas encore exploré ce type d'application. Mais c'est sûr que, le commentaire, là, de l'intervenant précédent, il disait, le contenu, nous, on produit pas le contenu non plus. C'est nous, c'est le client qui va nous fournir leur contenu pour que nous, on fasse l'intégration. Donc, évidemment que s'il y a du contenu anglophone, on peut l'intégrer, on peut s'en servir, mais il y a possibilité de faire de la production de contenu, mais là, il faut aller chercher des ressources externes. D'accord, c'est ça. Vous apportez vraiment l'aspect technique, en fait, plus que, il y a certains intervenants qui parlaient du contenu, vous apportez l'aspect technique. Voilà. Merci beaucoup, Eric, pour ces partages. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font au Québec, justement, par rapport à ces technologies. Puis, c'est bien de pouvoir réaliser les choses qui se font ici aussi chez nous. Donc, c'est très bien. J'ai une petite... alors, c'est Alexandre qui nous dit que la conférence d'avril est-elle à teneur pédagogique ou contient-elle des présentations sur les développements pédagogiques possibles?
Alors là, je parle de la conférence d'avril, la conférence numérique. Ben, en fait, nos conférenciers ont été choisis pour un peu présenter des applications. C'est sûr que la pédagogie n'est pas le point central, mais il y a quand même moyen de discuter sur place avec soit les intervenants, les conférenciers, ou avec les entreprises qui vont être sur place pour la zone démo, là. Mm-hmm. D'accord, très bien. Ben, donc, ça veut dire que ça va valoir le coup d'aller voir et puis d'essayer d'explorer cette conférence. Merci beaucoup, Eric. Je vais continuer avec vous. On a quelques minutes. Je vous ai dit que ça finissait à 30, puis que si vous voulez, vous pourriez rester quelques on a pris un peu de retard, mais j'ai quelques informations à partager avec vous, notamment par rapport à l'activité que j'avais lancée avant. Que j'avais lancé avant le laboratoire sur Treesider. L'idée, c'était de proposer des définitions, de proposer des usages de la réalité virtuelle augmentée et mixte dans justement le secteur éducatif de l'enseignement. Ce que maintenant, il serait intéressant de faire, et puis j'ai encore ouvert le lien Treesider pour encore quelques jours, c'est d'aller voir par rapport à ce que vous avez, justement, les informations que vous avez reçues aujourd'hui, les explorations que vous avez pu faire, de peaufiner ou peut-être d'ajouter des choses. Ce document, c'est un document qui va nous permettre de peaufiner notre synthèse, la synthèse à laquelle vous aurez accès sur notre site dans quelques jours. Il faut savoir aussi que, comme je vous l'avais dit au début, laboratoire est enregistré, donc vous aurez accès au laboratoire sur le site de la vitrine. Vous aurez aussi accès à une synthèse et justement à un document qui va vous permettre de voir à peu près ce que les collègues ont noté par rapport à la définition des technologies immersives. Eric, tu es encore là? Oui. Oui, Eric, comme tu es le dernier, je vais te poser une question par rapport justement, j'ai toujours, en créant le laboratoire, puis en travaillant aussi dans le domaine des réalités virtuelles, je pose toujours cette question, parce que même moi-même, j'ai un peu de la misère. Je me disais, mais est-ce que quand je veux parler justement de la réalité virtuelle mixte, augmentée, ce serait quoi le terme que je pourrais utiliser pour ces trois réalités? Donc j'avais utilisé XR, mais XR c'est un terme qui est en anglais, puis des fois qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Quand je veux parler de ces réalités, si j'utilise technologie immersive, les technologies immersives font aussi appel à ce qu'il y a, les simulateurs, etc., donc on n'est pas vraiment dedans. Quel est le bon terme pour parler des trois réalités? Ben, en fait, moi j'utilise pour parler de ces trois réalités, bon, je pense la réalité mixte. Et je te dirais que c'est le terme qui couvre l'ensemble. Pour technologie immersive, c'est vraiment des technologies qui vont te plonger dans un environnement. Moi j'associe ça plus à la réalité virtuelle quand c'est immersif. Mais sinon, c'est ça. Réalité mixte, je dirais que c'est le terme consacré. Bon, on parle de plus en plus de XR puis de XU. Pour l'expérience utilisateur et des termes comme ça, mais je pense que pour moi, la réalité mixte, ça couvre tous les domaines. D'accord, très bien. Bon, ben, j'espère que cette réponse va pouvoir bénéficier aux participants. En tout cas, merci encore, Eric. Alors, on a vu qu'en passant par l'exploration des normes dans l'usage des technologies immersives, par la sensibilisation au métier, à l'optimisation du développement des compétences par l'ARV et les nombreux projets et développements des technologies immersives au Québec. J'espère qu'on a pu répondre à notre objectif qui est de poser, de faire une sorte d'état des lieux et d'explorer ce qui se passe dans ce domaine. Donc, j'espère aussi que ça vous a permis d'avoir une vision globale de ces usages et de pouvoir aussi
ben, vous connecter parce que c'est un sujet qui est vif, c'est un sujet dont tout le monde parle et nous, dans le milieu de l'éducation, c'est un sujet pour certains qu'on est en train d'explorer, qui émerge. Donc, ce serait intéressant aussi qu'on puisse se connecter et en parler un peu plus amplement. On vous proposera dans quelques jours, comme je l'ai dit auparavant, ce laboratoire, notamment aussi pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Je vais mettre ma caméra et puis je vais aussi mettre à côté de moi Reine Emma, qui ne veut pas trop se montrer, mais qui est la co-animatrice qui m'a permis de travailler puis de développer ce laboratoire et faire en sorte que tout se passe bien, puis de traiter les réponses. N'oubliez pas aussi, on va vous transmettre un lien qui est un questionnaire auquel vous allez pouvoir répondre pour nous permettre d'améliorer notre synthèse, celle qu'on vous mettra sur le site. Merci beaucoup à vous tous. J'espère que je n'ai rien oublié. Vous savez déjà qu'il y aura un deuxième volet de ce laboratoire qui aura lieu le 20 février. Dans ce laboratoire, on sera vraiment dans le retour de pratique, le retour de pratique sur ce qui se fait au Québec avec des collègues qui sont experts, praticiens, enseignants. Et ça va être vraiment intéressant de voir comment ça se passe. J'ouvrirai même peut-être le domaine à ce qui se passe dans le monde, à savoir quels sont les retours qu'on va avoir de nos invitations. Merci beaucoup à vous tous et pour votre participation.